пришли на стадион. На траву выходит он, синий-бело-голубой. Слышишь песню над него? Наш «Зенит» чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол. Bonsoir à tous, voilà. Vous avez vu, j'ai recyclé le générique d'il y a 15 jours. Voilà, Amy, tu peux parler, tu as le micro normalement. Bonsoir. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Hein. Bon, j'espère je suis en train de faire le partage. J'espère que ça va bien marcher, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'écho, mais bon. Ah non. Mais ils ne nous ont pas encore en ligne. Ils en sont encore au générique, ça y est, c'est fini. Mais ça a bloqué, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vois Anaïs, merci, tu es là. Donc, Anaïs est en voyage. Mais elle va peut-être arriver bientôt. Orion qui est là, coucou Orion. Il y a Olga aussi, mais c'est merveilleux. Je me trouve un peu flou. Eh oui, mais c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. D'accord, non mais c'est pas grave, alors ça ira comme ça. Bonsoir, je suis flou. Il y a une chanson comme ça, Shabba dans un film, machin, et c'est Flou de toi. Oui, Flou de toi. On a dans le karaoké de... d'ailleurs. Oui, exact, mais on la chante pas souvent, on fait plutôt la carioca. Oh oui, sais-tu danser la carioca? Ce j'ai partagé le live à Anaïs qui est déjà sur le live. Pardon Anaïs. Oui, et Anaïs n'est pas encore chez elle en plus parce qu'elle a été cet après-midi en voyage. Elle a amené ses enfants faire des choses fun. C'est cool. Ah, qu'est-ce que vous êtes allé faire? Pourquoi personne ne parle? Ben, je ne sais pas. Apparemment, on est cinq. Mais oui, on est cinq, personne ne parle. Donc, en fait, elle a été à la plage. Ah, enfin, à la bien. Plage, la plage de lac. Et elle a vu plein de choses, de trucs. Ah, mais en fait, ils ne parlaient pas le temps qu'ils nous entendent. Ah, mais oui, c'est vrai, on est stupide. Oui, mais oui, entre toi et moi, on s'entend bien, mais entre eux, non. Oui, voilà, nous, on s'entend, on fait nos histoires, et puis eux, ils sont à la traîne. Voilà. Nico, salut, tu es à l'heure. Nico, oui, bravo, bravo. Et d'ailleurs, tu as un badge super fan, du coup. Ben oui, voilà, il est à l'heure. Ben Orion aussi a un badge super fan. Mais oui, Orion aussi. Oui, mais enfin, c'est pas Anaïs qui conduit, sinon elle serait pas sur le live, j'espère. Ah ben non, on la laisserait pas faire. Hein. Ah ben non. Quand même, c'est pas bien. Non, mais c'est pas elle qui conduit, donc voilà. Mais elle a dit qu'elle resterait pas très longtemps. Enfin, la dernière fois, elle avait dit ça, elle est restée jusqu'au bout, hein, quand même. Oui, Anaïs, elle dit « Oh, je reste pas longtemps », et puis à 1h du matin, on est obligé de la mettre à la porte. Salut Nathalie. On n'a pas grand-chose à dire pour l'instant, mais si, on a toujours plein de choses à dire. Salut Nathalie. Bon, voilà. Déjà pour commencer, comment allez-vous depuis jeudi dernier? Mais jeudi oui. Dernier, c'était donc un live privé intimiste. Alors, très privé quand même, parce que je crois qu'il n'y a qu'une personne qui a regardé le film, c'était une projection privée pour lui, Orion. C'est le seul qui est resté, qui n'a pas eu peur. Moi, je l'ai re-regardé aussi. Oui, nous, on l'a regardé, mais nous, on n'était pas bloqués dans le live. On pouvait vaquer à nos occupations en même temps. Tout à fait. Est-ce que vous nous entendez bien?
Bon, il faut le temps que ça arrive, tout ça. Oui. C'est difficile, hein. Ces Bah. secondes de décalage. Enfin, heureusement, on a de la chance que nous, avec le truc, on s'entend en même temps. Parce qu'imagine qu'en plus, nous, on aurait du décalage et eux auraient du décalage sur nous. On Mais s'en ce sera impossible. voilà, on s'en sortait pas. Alors, nous avons été dans les Vosges, d'abord à Tendon, voir une magnifique cascade, oui. Oh, les enfants ont dû beaucoup aimer quand même. Et au lac de Gérardmer. Mais il n'y a pas un qui était de Gérardmer? Moi, je suis allée à Gérardmer il y a 2 ans, 3 ans avec Geoffrey. Non, 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 mais dans les gens qui viennent sur le live, tous ceux qui sont Jean, de l'Est, là. le dernier Jean, je crois. Je sais plus D'ailleurs, lequel. partager, je l'ai pas en ami, je le connais pas, enfin je connais Ben moi pas, non voilà. plus. Ah ben d'ailleurs je n'ai partagé à personne. Hein. Donc Oui, non, je voudrais pas qu'on ait trop. si vous On voulez est 5. partager, partagez. Putain, 150 photos, on dirait ma soeur. Une fois, je l'avais en Belgique, elle a fait, je sais pas, 600 photos en 2 jours. Bon, alors après, elle peut les trier. Hein. Heureusement Oui, qu'il y a plus de super fans. C'est mais. merveilleux. Ouais. On se sent aimé. Oui, donc c'est bien ce qu'on disait, Anaïs ne conduit pas. C'est pour ça qu'elle peut être sur le live. Ben oui, sinon elle ferait pas n'importe quoi quand même. Oh, elle n'est pas Ce serait comme ça. prudent d'Anaïs, ouais. Elle est prudente. Mais c'est parce qu'en fait, vous êtes des super fans parce que vous êtes fidèles. Et ça, c'est important d'être fidèle. Ah, c'était Annie peut-être. Ah oui, je ne l'ai pas partagé. Est-ce que je vais arriver à le trouver, Annie? Tu recherches les personnes zèbres. Oui, je trouve. Mais vas-y, Orion, raconte-toi. C'est pas moi qui vais raconter pour toi. Parce qu'Orion a eu sa... Bon, allez, Orion a eu sa bague qui vibrait, qui chantait. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont cette bague. Putain, j'ai des gens dans mes contacts, je ne sais absolument pas qui c'est. Hein. Et donc, tu n'as pas été voir Ali? Oui, et donc la bague. Mais je me suis aperçu que oui, elle vibre un peu, mais moi, elle ne fait pas du bruit. Hein. Elle vibre sur mon doigt, bêtement. C'est une bague option vibromasseur. C'est un anneau pénien. Voilà, exactement. Oui, mais enfin. Un peu petit. Ben, on a déjà dit, ce n'est pas la taille qui Tout compte. à fait. Non, mais. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est voilà, c'est. Ben oui, j'espère bien, Anaïs, quand même. Hein. Donc personne ne nous a dit ce qu'ils ont fait de leur semaine. Non, non, non. Je crois que Nico s'amuse à charrier Anaïs. Mais je sais pas parce qu'à un moment Anaïs l'a été, elle a eu le badge, mais Oui. je sais pas du tout. De toute façon, c'est très très flou, hein, Facebook. On ne sait pas Oui, pourquoi. Tout un peu à comme mon image de ce soir. hein? Un peu comme mon image de ce soir, c'est flou. Oui. Oui, ben oui. Mais peut-être que ça aurait été moins flou avec le notre lumière, mais tu allais être ébloui encore. Ouais, bah enfin, ça, c'est pas grave, j'ai l'habitude de l'avoir là. Essaye. Attention au casque qui ne va pas jusqu'au truc. Bah, si, il y va. Ah oui, mais non, parce que tu te Ah, déplaces pas. l'autre du fond, tu voulais dire? Je vais voir. Est-ce que tu es... Non, j'ai pas fait le tour. Je crois que tu es moins flou. Ah bon. Bon, et puis s'il faut, j'ai rallumé l'autre aussi. Hein. Bah, enfin, ça va être Versailles. Hein. J'espère que ça ne fait pas briller mon teint. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas mon ami Ali, je lui parle par politesse parce qu'il est sur votre live. En même temps, tu risques rien, hein. Tu y vas avec ton mari, enfin ton copain, tu y vas avec tes enfants, je pense pas qu'il soit méchant, hein, Ali. Non, je pense pas vraiment.
Tu as déménagé un peu, tu as commencé, c'est bien. Moi aussi, j'ai fait des cartons. Presque tout est en carton, sauf le minimal vital. Voilà. Oui. Et le. Alors, vous allez rire. Olga, elle a un truc pour faire du sport. Oui, dans ma chambre. Oui, mais alors lui, il n'est pas en carton, hein. Ah non, il n'est pas en carton, il faut que je le démonte. Donc, il n'est pas prêt à bouger, celui-là. L'autre jour, j'ai eu la flemme. Mais il y a de quoi. Bon, j'ai failli m'assommer avec, d'ailleurs, en essayant de. Ah, pour le radiateur. Oui, de réparer le radiateur, mais bon, bref. Nous, on bosse beaucoup en ce moment. Et il est content. Ben oui, il est content, il a été malheureux, lui, dans le confinement, dans son appart, à pas pouvoir faire du bois, du. Oui, mais C'est il avait une dur. chemise. À carreaux. Qu'est-ce que c'est de le garder. Oui, mais on ne sait pas comment on fait pour le garder. Donc on ne peut même Non. pas vous donner d'explication. Puis je n'ai pas besoin d'avoir un badge super fan et personne ne sait que je suis présente et active sur les lives. Oui, ça c'est vrai. On sait que toi, tu es là à chaque fois, sauf problème, machin, mais ça c'est pas grave. Nous, on Trouver un bosse niveau beaucoup. des raccords au niveau des fringues. Non, franchement, c'est le hasard complet. Hein. Parce que je pense qu'on s'habille à peu près de la même façon le matin, autant lui que moi. C'est-à-dire qu'on prend au pif des affaires et hop, on s'habille. Donc, des fois c'est bariolé, des fois c'est sobre, et des fois ben, on est assorti l'un à l'autre. Ouais. Mais c'est vraiment le hasard. Hein. Ben oui, un petit peu. C'est parce qu'il fait un peu frais. Donc on a mis un truc un peu chaud. Chaud. Non, moi ça va, ici dans cette pièce il fait chaud, j'ai enlevé ma veste. J'espère qu'il ne va pas faire trop chaud. Mais non, parce qu'après j'ai plus rien dessous, alors hein, Mais c'est pour ça. on va éviter Mais de je la pense qu'il y pièce. aurait beaucoup plus de gens. Parce qu'ils sont intéressés que par Ben moi ça. ça me gêne pas, hein, de toute façon. Oui, on dit que ça. Bah si, pourquoi pas. Salut, je suis là. On peut se boire un café. Vous faites Bah, franchement, inviter. bah oui, Anaïs, nous, tu nous dirais, tiens, bah, je suis dans le coin, bah, on te dirait, viens, ouais, il n'y a pas de problème. Ah bah oui, puis ça bug, donc elle ne va pas entendre ce qu'on lui dit. Ouais. Dans la campagne. Mais tu n'es pas encore arrivé, donc. Donc, Orion. Alors, voilà, si c'est chez moi ou chez vous, mais ça lag grave ce soir. Je ne sais pas. Pas l'impression, mais Moi, je suis en pour vert. ou pas. Enfin, le stream, il est en vert. J'ai 20 secondes de retard. Enfin, en fait, ce n'est pas 20, c'est 40. Je suis à 11% du CPU et je n'ai rien de perdu comme image. Donc, a Donc priori. normalement. Par contre, j'ai perdu le live là, oui, mais ça, c'est ça n'a rien à voir. Hein. Donc, je ne vois plus vos commentaires. Parce que si je mets sur mon PC, vous ne verrez plus Olga. Ah, je pourrais en profiter pour me déshabiller. Alors j'aime bien parce qu'on me propose quand même de recevoir une notification pour chaque vidéo en direct de l'association Médiumnité et Magnétisme, comme si je n'étais pas au courant quand on fait un live. Ben, c'est un petit peu toi qui les lances quand même, donc j'espère que tu sais quand tu le fais. Eh ben oui, quand même. Donc Orion, tu ne veux pas en dire plus sur ta bague parce que tu m'as dit des trucs, mais peut-être que tu as eu de nouvelles aventures avec ta bague. Ben bien sûr, ça doit venir de nous. Mais non. On a le dos large, hein. Tout de suite. Que ça vienne de Donc pour ceux qui Facebook, savent pas, je veux bien. oui, voilà. Ouais. La bague d'Orion, c'est la bague Atlante, hein, celle qu'on a déjà présentée, qui est sur le site, etc. N'hésitez pas à aller sur le site, hein, dont l'adresse est marquée devant nous, et relire les articles, revoir un petit peu. Et Anaïs, t'as pas d'affinité spécialement avec Ali, mais voilà, Non. c'est aussi comme ça qu'on fait des rencontres dans la vie. Oui. Ben, si tu vas voir que des gens que tu connais, ben enfin, tu vas pas voir grand monde.
Ah, mais il y a d'autres personnes qui sont arrivées, mais ils ne parlent pas, donc on ne sait pas qui c'est. Non. Mais Orion dit que ça coupe 10 secondes toutes les minutes. Ouais, mais On c'est dirait bizarre. genre un forfait bloqué ou quoi qu'il a. Ouais, mais c'est bizarre parce que j'aurais quand même des signes, hein. Nico, tu nous entends, Nico? Ça passe bien, toi? Ça coupe pas, ça lag pas. J'ai discuté avec Anaïs, je crois qu'il nous écoute même pas. Ouais, non, ils ne nous écoutent pas, ils sont fous. Voilà. Ah oui, on a demandé, Anaïs, comme à chaque début de live, on a demandé si votre semaine s'était bien passée, ce que vous avez fait. Coucou Annie, Annie! salut! Justement, on parlait de toi parce que on se rappelait plus, c'est bien toi qui habite à Gérardmer. Anaïs, tu sais, quand on est de Bordeaux à Metz ou 45 minutes à côté de Metz, c'est kiff-kiff. Oui, ça veut dire côté de Metz. Même si Nico n'est pas vraiment de Bordeaux, mais il est là-bas, donc. Mais du coup, ça veut dire que le milieu, c'est chez nous. Oui, et il y en a plein qui est venu nous voir pour l'instant. Le bûcheron, non, il ne vient pas. Non, ils simulent. Oui, complètement. Alors, ils ont des badges super fun, mais on les voit pas. Ah Ah ben donc c'est voilà, bien. c'était bien Ali. Non mais Anaïs, tout va bien. Mais non, il n'y a pas de quiproquo, ni rien, ni de malentendu. C'est juste, t'es parti pour une journée. En même temps, ça peut se comprendre qu'une journée, tu voulais passer avec tes gamines à la plage. Hein. En tout cas, c'est joli. Bah, la semaine dernière, tu nous as pas entendu, Nico. Ah, sur le deuxième live, peut-être. Parce que le premier, je crois que tu as été refusé à l'entrée. Ben, le premier, il est arrivé en retard, donc la porte était fermée. Facebook avait fermé la porte et le deuxième live, il a dit qu'il n'a jamais réussi à rentrer. Oui, ça faisait que couper, je me rappelle. Ah ben oui, mais si c'était tempête, c'est peut-être parce que ton internet ne marchait pas, hein. Et quoi alors, Libourne, ça vous plaît, ça va? Vous vous y faites? T'as tout jeté à cause de ta grossesse, Anaïs, ou parce que, enfin, elle va pas être éternelle, ta grossesse. Non, elle va pas durer Je peux te de 10 ans. comprendre, elle va Hein. pas être plus éternelle. Enfin, j'espère. Et vous avez vu, Ali aujourd'hui est revenu en super fan, mais pas super fan plus un. Mais oui, Ça aussi, c'est. complètement aléatoire. Ouais. Donc de nouvelles aventures, ta planche à Ouija est retombée ou un truc comme ça, Ali? Mais non. Tu crois qu'on sait être diplomate? Diplo quoi? Diplodocus? Peut-être plutôt, ouais. Oui, donc comme je disais, j'ai recyclé le générique de l'autre jour parce qu'on n'avait pas trop de sujets. Enfin, si j'ai un sujet, mais il fallait que je vous passe des images, des trucs comme ça. Donc, c'était imbitable avec un seul écran. Et mais une fois, comme m'a rappelé Olga, on avait dit qu'on essaierait, enfin, si vous voulez, vous dites un truc qui vous est arrivé négatif et que je trouve quelque chose de positif là-dedans. Enfin, si vous voulez, après si vous voulez pas, c'est pas un problème. Si vous voulez continuer de parler entre vous, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Je note quand même qu'on fait un live pour que vous puissiez parler entre vous. Mais c'est bien.
Oui, non, mais c'est sympa, il y a des liens qui se créent. Anaïs, ce que je disais pour ta grossesse, juste, j'espère qu'elle ne va pas être éternelle. Parce que tu dis que tu as jeté la moitié de ton armoire, enfin jeté entre guillemets. Donc je disais que ta grossesse ne va sûrement pas être éternelle, donc tu aurais peut-être dû garder des fringues. Ou alors elle a envie de se promener nue. Libre à elle, hein. On en connaît Ah qui bah. sont dans l'Oise, pourquoi pas vers Metz. Oh mais vous avez pas vu? On retourne dans les années machin, et ils arrêtent les gens, les femmes qui sont seins nus Oh, sur la plage. putain, mais ils sont Genre. Putain, mais on est chers. dans un monde de connards, quoi. Oui. Une séance de PVE. C'est quoi que tu appelles du PVE? Parce que pour moi, c'est une autre référence. Oui. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Peut-être du PVP à la rigueur plus, mais des nouveaux amis qui vont en autarcie dans un camp, c'est chouette. Oui, c'est Ah. bien. Ils sont non, ils sont vers où? Ils sont pas où? Ils sont vers où? Vers où, oui, hein, pas Ne l'adresse donne pas leur exacte. adresse ni rien, mais un bled qui est à côté. Bah, de toute façon, ça doit pas être en Libourne. Ah, Anaïs est bientôt arrivée. Ah ben il y a un truc très positif, c'est que ça t'a permis de changer de vie, que tu n'es plus un bobo parisien et que tu ne vis plus à Paris. Putain, à Orion, tu le sais, on en a parlé la dernière fois que t'es venu en plus. Moi, ça me semble hyper positif. Même toi, tu nous as dit qu'il y avait des côtés positifs. Voilà. C'est quand même un truc qui t'a changé la vie. Ok, c'est chiant, machin, mais bon. En étant bien, ça va s'arranger, ça va rester à couver et tout, c'est pas obligé que ça continue. Et en plus, tu as complètement changé de mentalité et tout ça, c'est hyper positif, moi je trouve. Moi, perso, le Orion d'avant, je l'aurais pas aimé. Hein. Oh non, Celui de bah. maintenant, ça va, il est sympa, il est agréable. Oui, maintenant ça va. On a eu de la chance de le connaître maintenant. Tu aurais connu avant, je suis pas sûr que. Là, on a envie de te revoir. Voilà. Ça aurait été C'est pour avant, ça qu'on je garde peux. son tupperware en otage, d'ailleurs. Et regarde, dès que je vois un truc, je pense à toi, je te l'envoie. C'est mignon. Mais oui. Ah, phénomène voix électronique. D'accord, ok. Je me doutais bien que c'était pas ce que je pensais de toute façon. Taille 32-34, mais tu es toute maigre, Anaïs. Oh, ça me fait. Mais des habits quand t'avais 15-16 ans, ça fait même pas 10 ans, j'ai des fringues que je traîne depuis 20 ans. Moi aussi, hein, Je pense que partout, on en a plus vieilles j'ai que moi. jeté il n'y a pas longtemps, enfin je ne l'ai pas jeté, je l'ai mis de côté, machin, un pull que j'avais en quatrième. Et j'y rentre dedans, enfin machin, j'étais. Voilà, je n'ai pas changé. Hein. D'accord, phénomène voie électronique, oui. Je ne savais pas. Et donc c'était quoi du coup la phrase? Parce que Donc, ce n'est plus récent, Lim, j'étais déjà parti. Oui, mais quand même, ça t'aide à recentrer et tout ça. De toute façon, voilà, dans les trucs négatifs, il y a des trucs négatifs que l'on ne peut pas changer. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Mais ça te permet de faire plein de choses. ça te motive aussi à. Ça te pousse quelque part et ça t'aide à adapter ton alimentation avec ce qui est mieux pour ton corps, même si tu n'avais pas la maladie. De toute façon, ce serait mieux que ce soit toi qui cultives, que tu fasses hyper, enfin, attention à genre où tu achètes la viande, le poisson, etc. Donc, ça t'aide quelque part, ça te met peut-être un petit coup de pied au cul dont tu as besoin par moment pour justement faire plus attention à toi. Et puis plus tu vas aller bien, moins tu vas être mal. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Plus tu vas aller bien dans ta tête, Ouais. moins tu vas être mal physiquement. Voilà, c'est machin. Oui, le moral, ça fait tout. Et de toute façon, la maladie, on ne peut rien y faire. Parce que si les humains étaient moins cons et qu'ils tuaient pas les renards, déjà, il y aurait moins de cas de Lyme un peu partout. Voilà, donc. C'est pas ta faute, c'est comme ça, c'est la vie. Et si tu te morfondais tout le temps, si tu voyais pas les côtés positifs des choses, Mais ça accentue. ça s'aggraverait encore plus.
Bah Naïf, je pense que tu es mieux à 80 kilos qu'à 50. Hein. Après, je sais pas combien tu mesures, ni rien, mais enfin, j'ai du mal avec les gens maigres. Tu as agrandi ta zone de caresse, c'est mignon. Après, c'est pas un problème, hein. Tu es comme tu es, Anaïs. Oui, ce qu'il faut, c'est que toi, tu te sens bien. Voilà. Mais j'admets. Ça me rappelle une histoire. J'avais une copine qui bossait dans un truc de vêtements, là. Comment ça s'appelle? Jennifer et toutes les conneries, machin. Et il y avait une meuf qui était venue. Et la meuf, elle avait hurlé parce qu'elle voulait du 32. Et je crois qu'il commençait qu'au 34, un truc comme ça. Et la meuf est partie en hurlant d'un magasin en disant « Oui, mais c'est un magasin d'obèses ici !» Genre. Franchement, j'espère que jamais je pourrai m'habiller dans ce genre de magasin. Bon, du coup, c'est plusieurs fois que je demandais à Alice ce que ça a donné son expérience PVE. Nicolyme, c'est une maladie qui est provoquée par les morsures de tique. Et avant, il y en avait moins parce que il y avait plus de renards, plus d'animaux sauvages, et donc ils étaient une sorte de barrière entre les tiques et nous. Le problème, c'est que comme on n'a pratiquement plus d'animaux barrières, ben, c'est nous qui le chopons. En plus, je pense qu'il y a quand même aussi un problème de ce qu'il y a dans l'air, ce qu'il y a machin, enfin plein de choses, hein. Mais c'est la base. Le renard était la barrière naturelle. Les J'avais renards! oublié. Bienvenue sur le live. Ben, le problème, que ce soit reconnu ou pas, oui, voilà, c'est mieux quand c'est reconnu, bien sûr. Mais le problème, c'est surtout qu'on a fait de la merde à tuer tous les animaux, à empiéter complètement sur leur habitat. Parce que oui, le renard, nous, enfin, vous le savez, de toute façon, vous nous suivez depuis assez longtemps. Ici, quand on est arrivé, le renard, il nous a bouffé un coq et deux poules. Ben, ça fait chier. Parce qu'on les a perdus du coup. Mais voilà, c'est pas grave, c'est la nature, le renard il se nourrit, et voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Faut qu'on arrête aussi de vouloir tout maîtriser et éradiquer tout ce qui nous fait chier. Parce Et que ce qui a ça. été le plus frustrant, d'ailleurs, c'est quand le paysan il a tué les renardeaux parce que ça voulait dire que nos poules et notre coq sont morts pour rien. Oui, ça fait chier. Voilà, là ça fait chier. Parce que s'ils étaient morts et que le renardeau devenait renard, là 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 là, pas de problème. Mais l'autre, il bute les renardeaux, bah, ça veut dire que nos animaux sont morts pour rien. Oui. Mais oui, on les voyait passer en bas de la maison, les renards, en bas du jardin. Bonsoir Élise. Oh, Anaïs est arrivée en direct à la maison. Bravo. Ben oui, 350% d'augmentation en 10 ans, forcément. Donc, Ali, ton expérience PVE, ça a donné quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'en as retiré? Ah oui, donne-nous des infos maintenant. Est-ce que tu l'as fait parce que juste tu trouvais que c'était pas assez la galère avec ta planche de Ouija et tout ce que tu as déjà? Est-ce que, voilà, je sais pas, tu t'ennuies un peu peut-être? Il n'y Tu te avait sens pas toute assez seule? d'activité chez lui. Mais tout ce qui est électronique me pose un problème parce qu'on a plein de trucs électriques et tout ça, et ça fait des perturbations. Ben oui, ça fait des ondes, c'est pas naturel, enfin au sens où ce serait autre chose. Ben moi, j'ai entendu toute l'après-midi de la musique sous l'arbre où il y a les oies, et je suis sûr qu'il n'y avait aucune oie qui avait un truc qui faisait de la musique. Hein. T'es sûr qu'elle n'est pas un Walkman? Non, autant l'autre, elle a tapé dans la bassine pendant une demi-heure, c'était. Voilà, ça, mais je maîtrise bien ce bruit, je le connais par cœur. Autant non, j'entendais de la musique encore. J'entends de la musique quand je suis en voiture et que je mets ma tête à la fenêtre. Oui. Et on va plus avoir de droit bientôt. L'autre jour, en venant ici, je lui dis, c'est bizarre, ils n'ont pas encore cassé les couilles sur le fait d'ouvrir la fenêtre avec leur virus, là, leur virus. Et j'ai vu
qu'à Toulouse, ils ont fait un décret qui disait qu'en voiture, il fallait avoir le masque si on était deux. Alors, genre, tu vis ensemble, les gens, ils vivent ensemble, ils sont machin. C'est pas grave, dans la voiture, il faut qu'ils aient un masque. Et tu as le droit de ne pas avoir de masque si tu es tout seul, la fenêtre fermée. Bien Genre. sûr. Et comme ça, tous les connards, ils vont acheter des nouvelles voitures avec la clim. Mais c'est tout n'importe quoi. Ça m'énerve. Oui, le MP3, les oies. Mais c'est fréquent chez moi d'entendre de la musique, hein. Moi, j'entends des voix, mais c'est pas pareil. Et en ce moment, c'est hyper violent. Alors, ceux parmi vous là qui captent des choses, qui ont des facilités, est-ce que vous entendez pas plein de choses en ce moment? Alors, on a qui? Orion qui pourrait nous répondre, Ali? Ouais, Ali pourrait nous répondre. Crois qu'Ali a disparu, hein? Il ne répond pas. Ou alors il est en train d'écrire un grand pavé. Oui, peut-être. Soyons attentifs. Bon, moi, je fais pareil que Orion. Hein. SB7, point d'interrogation. Mais moi, je peux en mettre qu'un point d'interrogation. Ou alors, je fais SB7. Voilà. C'est la représentation de point d'interrogation. Parce que moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon, des trucs comme ça, électroniques, ce n'est pas. Ah, en parlant d'électronique, si j'ai un petit, j'ai fabriqué un compteur YouTube. Bon, c'est juste pour comme ça, le fun. Eh bien, YouTube, ils sont aussi cons que Facebook. Ils ont encore changé leur API. Et donc, du coup, mon compteur ne marche plus. Voilà. Ils sont hyper fatigants avec ça. Hein. Tous les 15 jours, ils changent leurs API. Alors, tu as un truc, tu mets sur ton site internet, tu fais des petits trucs sympas. Parce qu'en fait, il y a des compteurs Facebook qui coûtent la peau du cul, alors que c'est tout con. Hein. En fait, c'est un Arduino qui va poser une question au serveur en passant par la Wi-Fi. Et puis, on lui dit, ah oh, ben oui, il y a tant de likes, il y a tant de machins. Eh bien, Facebook, avant, on pouvait le récupérer. Maintenant, on ne peut plus. Parce que ce sont des données très importantes. Sûrement. Perso, moi, je suis très sceptique avec tout ce truc-là. Parce que dans les grésillements, on peut faire dire n'importe quoi. Même temps, ils sont chiants aussi, les esprits, à parler par énigme, par. Alors que des fois, ils peuvent très bien s'exprimer, mais sans problème. Hein. Ils arrivent à dire tout ce qu'ils veulent, hein, s'ils le veulent, vraiment. Donc, je ne comprends pas très bien. Spirit box. Hmm. Nico dit que c'est une spirit box. Oui, c'est ça que je disais. Je répondais à ça, en fait. D'accord, Bon, je commence à avoir chaud. oui. Tu vois? Voilà, après on ne va plus être assorti. Attends. Non, Non. ça a l'air noir ton t-shirt. Oui. C'est mon t-shirt de pirate. Tu sais, Oui, Nico, que des fasse gaffe urbex, oui, mais j'ai du mal avec les urbex, hein. J'en ai déjà parlé avec Orion, justement. avec. Genre les mecs qui font du spiritisme en direct, ils mettent plein de trucs. Après, tant mieux, hein, mais. Évite quand même d'en regarder trop, Nico. Enfin, là, j'ai parlé plusieurs fois, hein, mais même si tu es juste spectateur derrière ton écran, quelque part, tu participes du coup, et tu peux te choper des trucs. Voilà, Orion, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ce que je pense. C'est que si vraiment on doit entendre quelque chose, on n'a pas besoin de tous ces appareils de merde qui sont perturbés par les autres ondes. Voilà, on l'entend soi-même, il suffit d'être attentif. C'est encore une histoire de facilité. Voilà. Oui.
Oui, je crois. Alors qu'on peut très bien avoir toutes les infos qu'on veut sans aucun matériel, hein. Là, cet après-midi, enfin, cet après-midi, j'ai fait du pendule, et ben, j'ai oublié mon pendule. Donc j'en ai fabriqué un merveilleux pendule. Regardez comme il est beau. C'est une vis au bout d'un fil. Voilà. Eh bien, ça marche très bien. Voilà. Pas besoin d'avoir un pendule, un machin, un bidule. Et de toute façon, il s'amuse très bien à me parler dans les oreilles. Donc, je réitère ma question. Est-ce que ceux qui entendent des choses, sans objet, sans dire rien qu'avec leur tête, leurs yeux, parce qu'ils voient aussi avec leurs yeux, est-ce qu'en ce moment, vous ne sentez pas beaucoup d'activité? Nico, je comprends hein, que tu sois curieux, que ça t'intéresse et tout. Hein. Tu veux voilà, regarder un peu, voir comment ça se passe. Mais fais pas comme d'autres qu'on a qui viennent nous voir parce qu'après ils sont pas bien parce qu'ils n'arrêtent pas d'aller de regarder ça à longueur de journée. Oui, non, être curieux, il n'y a pas de souci. Ce qui me gêne, c'est, voilà. Parce qu'Orion m'a dit qu'il y en avait un qui passait sur quoi? C8. Le samedi soir. Voilà. Mais le problème, c'est que ça soit sur C8, que ça soit sur Facebook, c'est pour faire de l'audimat. C'est pour faire venir plein de gens et tout. Voilà, c'est un peu le contraire de nous, voilà. Nous, on réduit, on ne prend que les bons, Ouais. parce Mais très qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec des gens qui insultent, qui sont là, qui n'ont pas de vie, et voilà. Le problème, c'est que si ça passe à la télé, c'est que c'est de l'audimat. C'est, ça coûte rien, ce sont des programmes qui rapportent, puisqu'ils rapportent indirectement, mais ils rapportent, puisqu'ils se passent à la télé, et qui ne coûtent rien, zéro. Et il y a plein de gens, oh non, j'y crois pas, mais ils ont quand même peur, quoi. Enfin, je parle pas pour vous, hein. Je parle des gens en général, des gens qui regardent C8, par exemple. Bien que moi, sur C8, c'est plus Hanouna qui me fait peur que ça, hein. Putain, L'autre jour, j'ai allumé la télé. Je n'aurais jamais dû. Jamais dû, j'étais horrifié. Du coup, j'ai téléphoné à SFR aujourd'hui. Enfin, c'est eux qui m'ont téléphoné. Donc après, j'ai retéléphoné en hurlant, en leur disant que je ne voulais plus qu'on m'appelle, que si j'avais un problème, je serais capable d'aller les insulter moi-même sans les attendre. Et j'ai dit, en plus, j'ai dit à la meuf, voilà, moi, je veux plus qu'il y ait BFM en direct quand on allume la télé. Ah Elle me putain, oui, dit, ça c'est c'est sûr. quoi BFM? Donc elle devait pas être en France, hein, machin. J'ai dit, oui, ça se voit que vous n'avez pas SFR chez vous. Vous travaillez chez SFR, mais vous ne l'avez pas. Il me dit, oui, c'est vrai. Enfin, on a bien ri après, bref, machin. Mais voilà, donc déjà, j'allume la télé pour une fois. Ça faisait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas allumé. Paf! BFM. Donc j'ai eu très peur. Déjà, il parlait, devinez de quoi? Du Covid. Que c'était hyper grave, que tout le monde allait mourir et tout. Enfin, bon, bref, voilà. Après, je mets qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, j'ai mis un. J'ai commencé à regarder un film, je sais plus quoi. Et il y a eu de la pub. Et là, j'ai été encore horrifié parce que j'ai commencé à voir des pubs avec des gens masqués. Non, c'était pas une présentation de Zorro, hein. C'était des gens avec un masque, machin et tout ça. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de, Normaliser ouais, ça. normaliser cette histoire de masque déjà. Donc agacé, j'ai changé de chaîne, je suis allé sur Arte. Il y avait un reportage très intéressant sur sur qui d'ailleurs? Sur DeVos. DeVos, oui, voilà, celui qui faisait avec plein de mots en français et tout, qui était très bien. Donc j'ai regardé ça. Sur Arte, il y a un peu, il y a pas de pub, ça va, ça beaucoup moins et tout. Mais à chaque fois, il y a des putains de pubs qui me bouffent le cerveau. Enfin non, mais je veux dire qui bouffent le cerveau aux gens parce que je n'ai jamais compris comment on pouvait avoir envie d'un truc qui est dans une pub. Voilà.
Et apparemment, si, parce que vu le prix qu'ils payent, je pense qu'ils ne payent pas pour rien. Non, ça, ben non, forcément, ça leur rapporte. Ah, du coup, j'ai raté vos... Il y a Anaïs qui nous a dit qu'elle est revenue. Elle Bien. s'est débarrassée de ses gosses. C'est quoi les fréquences de Schumann? Ouais, mais ça te fait des maux de tête. Mais est-ce que tu entends des choses? Enfin, des choses. Des mots. Des mots articulés, des choses comme ça. Ouais, c'est des groupes, ouais, Ghost, Geyser, tout ça. Et en plus, la plupart, c'est pas des... Ce sont des programmes étrangers, je pense. Américain souvent. Mais j'ai pensé à Orion, parce que ça a dû être un samedi ou un truc comme ça. Et en zappant, ouais, j'ai vu un truc paranormal et tout. Et tu vois, Orion, j'ai pensé à toi tout de suite. J'ai dit, oh, c'est ce dont m'a parlé Orion, peut-être, puisque c'était sur C8. Mais j'ai zappé. Salut Bah dis donc, Karen. c'est oh, salut Karen. Et on s'en porte très bien. Moi, de temps en temps, ouais, fatigué ou quoi, on comate devant, mais. Je dors vite, par exemple, quand Oui. Mais oui, mais la télé, bon, y a des fois des films, mais les films, le problème, c'est qu'ils sont coupés par les pubs dans tous les sens, quoi. C'est. Oh, Oui. si, j'ai regardé lundi. Comment ça s'appelle? Avec... Si, si, le truc policier, avec... New York, unité Voilà, spéciale. New York, unité spéciale. Et je suis tombé sur un épisode avec avec un gamin qui avait la rougeole et qu'il avait filé à un bébé. Le bébé était mort, donc toute une histoire, machin, oui, les vaccins et tout ça. Et dans le film, enfin dans la série, à un moment, ils disent, oui, les vaccins, c'est pas obligatoire, sauf s'il y a un confinement international ou national. Et cet épisode est un vieil épisode, hein, il y a très très longtemps et tout. Donc, pris de panique, je suis allé me renseigner si cette loi existait en vrai et si elle était valable en Europe. Eh bien, je n'ai pas été déçu. Parce qu'en fait, la même loi existe depuis les accords de Maastricht, qui fait que oui, enfin, en théorie, on a droit à notre intégrité physique, sauf si il y a une alerte, enfin, pas une alerte, comment ça s'appelle, un truc sanitaire, ce qu'on a eu avec un confinement et tout ça. Donc, ça fait un peu flipper, parce que ça On n'est veut même dire plus. que même s'il y a des lois et tout, normalement les lois passent avant les décrets, mais bon, ils n'en ont rien à foutre. Mais du moment qu'il y a eu ce truc, eh ben c'est vrai, ce n'était pas que dans le film et ce n'était pas du pipeau. C'est dans les accords de Maastricht. Mais ça fait peur. Hein. Je suis surprise que tu fumes, Anaïs. Parce que je sais que tu fais hyper attention à plein de choses. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'elle court dans son lit. Donc, elle n'a pas l'air très grande, hein, je suis d'accord. Mais arriver à courir dans son lit, Je pense qu'elle va courir jusqu'à son lit plutôt. je sais, mais c'était tellement drôle. Je l'imagine fumer et courir dans son lit. Non, ils sont pas clairs. Il faut deviner.
Là, depuis quelques semaines, enfin, depuis ouais, 15 jours et tout, ils sont hyper lourds. Fais ça. Mais dis maintenant, non, fais ça et je te dirai. Ouais. Mais bon, c'est pas un piège apparemment. Donc déjà. Mais ça fait trois fois que, deux fois que j'essaie de faire une clope, mais je n'ai plus de filtre. C'est dommage. Oui. C'est un peu frustrant. Moi, j'en ai toutes prêtes devant le clavier. Mais là, je peux pas t'en donner. Oui, la... oui, mais c'est dans la tête, oui, c'est chiant. Alors là, ça fait un peu des conversations un peu ubuesques. Dis, non, fais ça, je te dirai. Mais dis, je t'aiderai. Oh, ta gueule, allez. Ces conversations comme avec les gosses. Oui. Non, je ne veux Mais pas du lourd. pourquoi? Toi, Et en... Orion, juste temps ou tu vois aussi, je ne sais plus. Il quoi? S'il voit Ah, il voit. en plus J'avais cru qu'il buvait, il boit, mais... Bon, Oh j'ai non, cherché toi. un filtre, hein, je reviens. C'est pas grave. Nico, Anaïs, non, vous vous entendez pas. Et Karen, alors je sais même pas lui dire bonjour ni rien. Si ça se trouve, je ne vois encore pas tous les commentaires. Ça fait peut-être un peu de bruit quand je remets le micro. Oui, mais c'est pas grave, tu es encore revenu avant d'être parti. Oui. Ah oui, ça c'est bien ça. Je voyage dans le temps et l'espace. Je m'en vais et je reviens et je suis encore à l'écran. Et voilà, D'ailleurs, tu je viens de peux me partir. surveiller ainsi. Oui. Oui, incompréhensible. Oui, les PVE, donc on est bien d'accord, c'est des bruits un peu bizarres où on a l'impression qu'il y a des mots et pas ça. C'est ça, hein, on a bien, j'ai bien un suivi. Compris, ouais. Ouais. Oui, ça c'est chiant. Parce que c'est encore moins compréhensible. Oui, donc tu dis que tu vois pas, mais quand même tu vois un peu. Non, rien. Oui, peut-être, parce qu'après le cerveau il est très fort pour fabriquer des choses, hein. Tout ce qu'il comprend pas, de toute façon, bah, il fabrique un truc qu'il comprend, qu'il connaît, comme ça c'est plus rassurant. D'où Ça la part des s'appelle données. des paréludies. Voilà. Salut Kali! Comment tu vas? Salut Kalina. C'est bien, vous avez vu. Elle n'est pas complètement en retard. Non, pas tout à fait. Enfin, pas dans 10 Bravo. minutes. Bon. Il nous manque encore Kaby. Oui, mais Kaby, lui, il a 3 heures de retard, hein, et encore, quand il vient. Oui, je demandais à Anaïs ouais, si Nico et toi vous entendiez. Non, pas, on s'entend. Si vous entendiez ce qu'elle Ah a oui, dit. non, pas. Ah oui, non, non, pas. Non, non. Si vous entendiez éventuellement des choses que d'autres n'entendent pas. Des esprits, des trucs comme ça. Oui, ça va, Kalinéa, et toi? Donc voilà, ce soir on discute encore un peu de tout et de rien parce que c'est cool. Et comme ça vous pouvez vous exprimer aussi. C'est parce que sinon, si on était tout le temps à dire des choses, déjà que blablabla beaucoup, hein, voilà, là c'est intéressant. Bah là, Pour on est ça. surtout quand même sur oui, la communication et un peu l'au-delà. C'est pas non plus complètement n'importe quoi.
Mais justement, en bougeant les machins et tout, en jouant, je veux dire, quand tu joues avec sur l'ordi, tu mets un. Il y a eu plein de gens qui ont fait des trucs comme ça, qui ont passé des disques à l'envers, parce qu'ils parlaient du démon, ça a été connu. C'était qui? C'était le Rolling Stone, je crois, ou un Dernière, groupe comme ça, qu'on disait que ouais. si on le passait à l'envers, à une certaine. Passer à l'envers à une certaine vitesse, il y avait des chances que l'on comprenne qu'ils appelaient le diable. Oui, c'était ça. Voilà, et c'est pour ça que c'était une musique diabolique et tout. Donc voilà, je pense que sur des trucs comme ça, on peut arriver à avoir un peu beaucoup de choses quand même. Alors que quand on l'attend dans le cerveau, ok, ça peut être notre cerveau, moi aussi, hein, j'y pense des fois, je me dis, mais si ça se trouve, c'est mon cerveau tout seul et tout. Mais voilà, ça vient comme ça. C'est comme, voilà, dans la Bible, par exemple, on peut faire les mots Satan, des trucs comme ça, parce que, ben oui, si tu prends toutes les lettres et tout. Là, d'ailleurs, je viens d'entendre une trompette. D'accord, moi j'ai entendu un téléphone vibrer, je pensais que c'était le tien. Non, bon, le mien, il n'a pas fait de bruit. Mais j'ai entendu aussi un téléphone vibrer. Mais bon. Ah oui, c'est Surveiller bien. un certain cul. Ça y est, Orion, il craque encore. Mais c'est bientôt la rentrée, Kalinéa, donc tu vas pouvoir t'en débarrasser toi aussi. Ah, ils sont toujours là, ta mère et ton fils? Oui, mais Anaïs, j'aime bien parce que je suis remonté en fait. Anaïs, tu sens une présence, mais est-ce que tu as enlevé la glace dans ta chambre au fait? Non, j'entends D'accord, donc rien, j'ai pas l'air de capter grand-chose. c'est pas sur le bon réseau. Ah, des stones, ouais, merci. Et j'avais dit quoi? Ben, j'avais dit. C'était ce que tu avais dit, il confirmait. D'accord. J'ai oublié. Mais on n'a pas vu Jean. Il est Mais où? non, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Il n'est pas là. Il est pas dans ta Je ne le vois poche? pas. Mais non, je ne le vois pas. Jean. Jean, sors de ce corps. Dimanche, ah bah bientôt. Bon, tu es bientôt débarrassé. Oui, dimanche, ça va vite passer, hein. Mais sinon, c'est bien aussi Bagdad, hein. Il y a des villes comme ça qui. Bagdad, c'est beau. Bon, il y a la guerre. Mais ça, c'est les humains. Mais sinon, Bagdad, c'est magique. C'est terrible, ça. Que les humains ont tout cassé alors que c'est un endroit. Ben oui, mais on sait faire que ça. Voilà, ils sont encore en train de se faire des piques, les deux là. Mais oui, mais tous les deux. Je veux Mais dire, je est-ce que sais tu. que ça n'a rien à voir avec le sexe. Les culs machin. Mais je sais pas, soi-disant. Enfin, je sais pas, je n'ai pas regardé machin. Que ça serait en rapport avec l'extrême droite. Après, j'en sais rien. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on a dit ce soir que vous pouvez présenter une situation que vous trouvez négative ou quelque chose qui vous pèse et que vous trouvez vraiment ouais, négatif, et que Bartoon va vous dire ce qu'il y a de positif dans cette situation. Orion a posé sa question quand même. Bon, il n'avait pas l'air très convaincu de ce que je dis, mais bon. Oui, mais en vrai, au fond de lui-même, il le sait que c'est vrai.
Mais je décide pour toi, Orion, hein, tu le sais. Mais non, mais on en a parlé la dernière fois, donc je sais qu'il le Oui. sait. Mais Trump, il y a un gros problème avec Trump. Il est très 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 bizarre. Je te dis, il fait des trucs qui pourraient être bien. Et le lendemain, il fait un truc de merde. Voilà, comme autoriser la recherche de pétrole dans l'Alaska, Putain, oui. dans une réserve et tout ça. Voilà. Est-ce qu'il est schizophrène? Il est. Mais je ne sais pas. Mais en C'est même bizarre. temps, il fait des trucs de fou. Le premier truc qu'il a fait de fou, c'est quand il a dit qu'il voulait pas le CETA. Oui, ça, c'était. Putain. Voilà, j'étais un peu sur le cul et tout ça. C'était bizarre. Mais un coup, il fait un truc hyper bien. Et un coup, on ne sait pas pourquoi il fait. Alors après ça, je l'ai appris dans un jeu vidéo, oui, qui s'appelle Fable, où on peut choisir d'être gentil ou méchant, enfin, de faire des trucs et tout. Et oui, il y a des moments où même si on veut être hyper bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on est obligé de faire quelque chose que les gens pensent mauvais, parce que on a fait d'autres choses bonnes à côté. Voilà. Mais il y a quand même un truc bizarre avec Trump. C'est vrai que. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai écrit à. Mais il répond pas forcément. À Michael Moore, qui à un moment parlait d'Obama. Et je lui dis, mais comment toi, Michael Moore, tu peux défendre à n'importe. Enfin, à un moment, défendre Obama avec tout ce qu'il a fait? Bon, il répond pas. Certes, il y avait Dommage. trois cas de commentaires dessous, donc je peux comprendre qu'ils répondent pas. Mais je ne comprends pas. Ce mec, il a été le premier à faire des films à prouver qu'Obama est un gros enculé. Quand même, qui a fait des. D'ailleurs, c'est lui qui a été payé le plus par Goldman Sachs pendant son mandat. Et il est à fond donc contre Trump. Mais au début, on était tous à fond contre Trump. Mais Trump a quand même fait plus de choses bien que tous les autres avant. Oui. En ayant fait de la merde aussi, hein, forcément. Mais ça, est-ce que c'est pas un truc. Voilà. Mais je ne comprends pas qu'il ait parlé d'Obama en bien. Ça me dépasse. Et je suis très déçu quand même. Ils sont en train de reparler de bouffe. T'as vu qu'Orient, il te disait non pas extrême droite, mais comme en forêt noire, comme on a parlé déjà. Ouais, mais bon, je sais pas. De toute façon, le problème de l'humain, c'est que on a des gens, alors sans parler de choses un peu ésotériques et tout ça, hein, restons terre à terre. On a des gens qui ont pris des recherches qui ont été faites bien avant le Covid, qui ont été faites machin, qui ont été reproduites des milliers de fois, des mecs qui bossent, qui sont docteurs, qui sont prix Nobel, qui montrent par A plus B que ces recherches ont été faites il y a des années et qu'on prouve que le masque, par exemple, ça ne sert à rien, que plein de choses comme ça, que comment se passe un virus, parce qu'un virus, c'est bien gentil de dire oui, les postillons et tout, sauf que les postillons, ils font pouf, parce que les postillons, ils sont lourds et donc pouf, ils tombent. Voilà. Et ils sont mélangés. Alors que quand il fait un peu frais, il y a de l'humidité dans l'air. Et là, les petits virus, ils sont contents. Ils sont dans l'air tout simplement. Hein. Ils se promènent dans ces petits trucs d'eau qui sont vachement plus légères que des postillons. Donc en fait, on les prend en plein dans la gueule, machin et tout. Il n'y a pas de problème. Donc il y a des gens qui ont prouvé ça depuis des années, des décennies. Ces mecs-là, ils sont scientifiques, ils sont machins. Ils ne sont pas payés par des labos. Eh ben non, les gens préfèrent croire des mecs qui sortent de l'ENA. Qui ne connaissent rien à rien, préfèrent croire des scientifiques qu'on a prouvé qu'ils ont un rapport intime avec des laboratoires qui sont là, et bien les gens croient ces gens-là. Donc, que ça c'est déjà dans un truc terre à terre.
Alors, imagine dans un truc un peu ésotérique. Voilà, les gens croiront le dernier qui a parlé, hein, de toute façon, celui qui sera le plus. Hein? Surtout s'il a un costard cravate. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est on a toutes les preuves qu'il faut pour plein de choses. Eh bien, il y a un connard en cravate qui vient et qui dit, non, c'est comme ça. Et il le répète en boucle, blablabla, à la télé. Eh bien oui, les gens vont croire là et pas l'autre. Et ça me pose un énorme problème. Mais oui. Des boulettes de couscous. Bonne nuit à Nico qui se lève tôt encore une fois, puisqu'il est content d'aller travailler. À Bonne jeudi nuit, prochain, Nico, alors. 22h15, heure de chez nous. Sais même plus s'il avait dit vers où était le groupe dont il parlait. Merci Nico. Et bon dodo. Oui, mais voilà, Orion, tu te documentes. Tu es en train de bouger ton cul pour te documenter. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui prennent pour argent comptant tout ce qu'on leur dit. Que ça soit. Enfin, le plus proche de leur idée à eux, en fait, en général. Parce que c'est plus facile. De quoi le professeur Raoul? Là, je ne parlais pas spécialement d'un professeur en particulier, hein. Je parlais en général. Je veux dire, il y en a plein qui ont dit que le masque, eh ben, voilà. Et puis, je ne sais pas, moi, le premier, quand on a parlé du masque, bah, j'ai cherché un peu bêtement, parce que je savais que les masques chirurgicaux, en fait, ça sert pour les bactéries et les microbes, parce qu'ils sont assez gros. Puisqu'on les voit facilement, pas à l'œil nu, certes, mais avec un microscope normal, machin. Par contre, les virus, c'est beaucoup plus compliqué, ils sont plus petits. Donc le premier truc que j'ai fait, je me suis dit, je vais aller voir comment ces masques sont faits, quelle est la taille des mailles. Parce que même à l'œil nu, s'ils ont l'air petits, ils sont grands pour les autres. Donc j'ai regardé la taille. Après, j'ai regardé les tailles. Donc oui, les bactéries sont bien plus grandes que les mailles. Les microbes sont bien plus grands. Le virus, rien à foutre. Hein. Le virus, il en passe plein dans le même trou. Hein. Voilà. Je sais pas. Voilà. Donc je suis allé chercher de moi-même. Et après, oui, ben, il y a des études qui ont été faites comme ça, machin, tout. Et pourquoi les gens préfèrent avoir peur, croire dans toutes ces conneries? Et se retrouver, parce que là, la prochaine vague, ça sera pas le virus, ça sera les propres bactéries et merde, les propres bactéries et les propres microbes des gens qui vont les intoxiquer, ça c'est clair. Et donc ils vont aller à l'hôpital, on va dire, oulala, là 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 là, c'est le Covid. En plus, ils ont réautorisé le truc du professeur Raoul, parce que Oui. là, ce truc-là ne fera rien contre ce nouveau problème, puisque ce sera des bactéries et tout ça. Et là, ils pourront dire, regardez comme on avait raison, ça ne fait rien. Oui. Voilà, c'est La tout simple, quoi. manipulation. Ils vont foutre des masques à des gamins qui vont de toute façon toute la journée. Voilà, donc ils vont rajouter en plus des microbes dedans, ils vont avoir des problèmes, tout le monde, voilà. Après, ils vont enlever les enfants à leurs parents, parce que même si on dit, oh, ils peuvent pas, c'est en projet de toute façon, pour le bien de l'enfant. Sauf que qu'est-ce qu'on fait quand on a des enfants, machin? Daesh, par exemple. C'est facile hein, d'inculquer des choses à des enfants. Et ils ne se sont pas gênés, eux. Et c'est exactement le même principe. Donc on va me faire, ah, mais c'est pas Daesh. Oui, mais enfin, bon, Daesh,
C'est Une peut-être pas chance que les c'est. pires. Oui, voilà, c'est pas le pire. On les a laissés faire, hein. On leur a appris tout ce qu'ils savaient. Voilà, bref. Mais non, non, ils vont pas le faire. Vous verrez bien. Bonsoir à Karl qui nous rejoint. Coucou Karl. Mais je ne Ça le vois fait pas. plusieurs lives qu'il revient nous voir. On te manquait. Ben, j'espère qu'on lui manquait. Comment tu vas, Karl? Ce sont les personnes susceptibles d'attraper quelque chose. Maintenant, c'est plus qu'un simple rhume, hein, là, pour l'instant. Et ceux qui l'ont attrapé, c'est qu'ils avaient d'autres pathologies derrière. Même si on a l'air d'être en bonne santé, rien ne dit qu'on est en bonne santé en vrai. Puis, Non, on a des trucs en sommeil. voilà, des trucs en sommeil. Et moi, je reste persuadé que ça soit le Covid, soit la maladie de Kawasaki, là, machin, que oh, c'est dû au Covid, sauf que ça a été découvert en 67. En 67, il n'y avait pas le Covid, il n'y avait pas autre chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en sommeil en nous, enfin, que les enfants ont en sommeil en eux, et qui se déclenche. Voilà, et puis de toute façon, de tout temps à jamais, il y a eu des épidémies, justement, parce que la nature est bien faite et qu'à un moment, il faut arrêter de proliférer et tout ça. Tout à Quand fait. c'est la peste noire, je crois qu'il y avait un groupe sanguin qui avait plus de chances que l'autre de l'avoir. Enfin, il y en avait un qui avait normalement des chances. Et je crois que c'est le B, je ne suis pas sûr, il faudrait que je recherche, machin. Mais il y avait un groupe sanguin, les mecs avaient une chance toute, enfin une chance, une malchance toute petite de l'attraper. Voilà. Et en fait, ils ont tous ceux qui étaient de ce groupe sanguin, bon, s'en sont pratiquement tous sortis. Mais nous aussi, Carl, ça va, merci. Oui, on va très bien, Karl. De toute façon, 1984, oui, c'est un truc, voilà, on s'en rapproche parce que c'est le truc de base, quoi. Je veux dire, ils ont pris ce qu'il fallait faire pour asservir les peuples et tout ça. Donc oui, ils le savent depuis très longtemps comment ça se passe. Et donc 1984, oui, c'était un truc. Mais il y a plein de films qui ont fait sur ce sujet-là. Et le problème, c'est que, voilà, mais personne n'y croit. Là, quand j'entends encore des gens qui disent, oh, nous allons rentrer en dictature. Non, mais ça fait un moment, là, c'est bon. On est depuis. Mais oui. Oui. Oh, s'il fait ça, on va rentrer en dictature. Il le fait. Mais Ils font non. autre chose. Oh, mais s'ils font. Mais oui, mais non, non, à un moment, il faut arrêter de dire, de parler, il faut faire des actes, quoi. On dirait l'ONU. Écoutez, Daesh, c'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes très 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 méchants. Eh bien, je pense que ça a dû perturber énormément Daesh que l'ONU leur dise qu'ils étaient méchants. Voilà. Moi, je pense qu'ils se sont remis en cause et ils ont changé de secteur d'activité. Hein. Ah oui, non, mais là, je pense, d'ailleurs, maintenant, ils sont dans l'humanitaire. Hein. Tout à fait. Mais oui, bien sûr que ça a été créé par Bush, par les Américains, de toute façon. Mais... Enfin bon. De toute façon, si vous montez vos défenses immunitaires, si vous prenez pas les trucs, tout ira bien pour vous. Oui. Oui, écoute. Olé! Comment est-ça? Muy bien. Mais Ça oui, vient. ça vient, ça se mute, ça devient un simple truc. Là, pour le corona, ça devient un simple rhume, et puis basta. Et c'est comme là, ils font des tests. Oh, super! Alors déjà, il y a des tests qui sont pourris, qui ne marchent pas. Il y a un mec qui a fait une start-up à l'époque, justement pour tester les tests. C'est original. Donc il a fait plein de tests sur les tests, et il s'est aperçu qu'il y avait un pourcentage énorme, machin, et il l'a fait. Il a fait le résumé, enfin il a envoyé un truc à l'État qui n'en a eu rien à faire, il a quand même pris les tests, même ceux qui étaient tout pourris. Mais même, on a tous, maintenant, on devrait, avec l'immunité
immunité, avoir eu ce truc et on n'est pas malade. Bah oui, alors entre les tests faux positifs et les tests positifs parce que on est immunisé contre ça, bah oui, ils vont en trouver vachement plus. Sauf que derrière, dans les hôpitaux, il n'y a plus personne. Non. Mais BFM va dire, oh, il y a plein, plein, plein de positifs. Bah oui, il y a des positifs, mais ils ne sont pas malades. Oui, Et puis il y en ça, a plus que quand on testait pas aussi, forcément. aussi, voilà. C'est Et comme même. en 1700, il n'y avait pas de vol de voiture ni de téléphone portable. Ben oui, maintenant il y en a plus. Oui. D'ailleurs, à l'époque du téléphone fixe, il y avait beaucoup moins de vols de téléphone. Rappelez-vous qu'avait dit, c'était qui Moreno, non, Qui avait dit ça. voilà. Oui, ben oui, à l'époque du téléphone que fixe, ben, on volait beaucoup moins de téléphones portables. C'est comme Voilà. un peu la pub que 100% des gagnants ont joué. Ben oui, parce que s'ils n'avaient pas joué, ils n'auraient pas gagné. Mais sur, c'est pas 100% des gens qui ont joué qui ont gagné. C'est 100% des gagnants qui ont joué. C'est Oui. facile de jouer avec les mots, sauf que les gens de nos jours ne comprennent plus les mots. J'ai eu encore un exemple tout à l'heure. Dans un truc d'aquaponie, il y a une meuf, elle avait dû demander parce que son bac devenait sûrement vert. L'eau, elle coupissait et tout ça. Et il y a un mec qui lui dit, prends un fil conducteur, mets-le dans l'eau et branche-le ensuite à la terre. Parce que oui, j'ai déjà entendu ça, il paraît que ça empêche l'eau de tourner. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai déjà entendu. La meuf, elle l'a affiché en disant, cette personne fait du mal à tout le monde. Alors je me doutais un peu du problème, donc j'ai fait, tu peux m'expliquer pourquoi? Elle dit, mais oui, mettre un câble électrique dans de l'eau, ça fait tout disjoncter et ça tue des poissons. Je lui dis, mais tu as vu où que tu branches ton câble à l'électricité? On t'a juste dit de mettre un câble conducteur et de brancher à la terre. Et la meuf, oui, mais non, de toute façon, le cuivre, c'est mauvais pour les poissons. Non, non, le cuivre n'est pas mauvais pour la poisson. Si tu mets un simple fil dedans juste pour empêcher l'eau de tourner, avec la merde qu'il y a dans l'eau et tout ça, non, je lui dis, tu ne déverses pas 500 tonnes de cuivre dans ton truc. Du coup, elle a tout effacé et elle est partie. Mais voilà, En claquant. c'était quelqu'un qui ne comprend pas le français, qui ne comprend pas les mots. Un fil conducteur. Un fil conducteur, il n'est pas obligé d'avoir de l'électricité dedans, quoi. Voilà, c'est un fil conducteur, c'est un câble électrique et branché à la terre. La terre, ça n'a pas d'électricité. Enfin, je veux dire, c'est une masse. Et bien voilà, à quoi on tombe pour tout, on explique des choses et les gens ne comprennent pas les mots. Non. Et c'est de pire en pire. Mais oui. Ah oui, ceux qui n'ont pas vu le film ou qui n'ont pas lu le livre, allez le voir, hein. Bah ouais, Orion a filé lui, hein. Mais bien sûr qu'il mute, mais en mutant, là, il se. De toute façon, il a été ridicule, ce petit virus. Pas déconner, c'est ce qu'il a le moins tué dans l'année. Le cancer a tué vachement plus. La pollution a tué vachement plus. La faim. La faim. Ah oui, mais la faim, c'est pas intéressant. C'est pas dans nos régions. Donc c'est pas grave. On s'en bat les couilles, quoi. C'est des mecs, ils Oui, habitent là-bas. Loin. Loin, très loin. ça ne nous concerne pas. Non. Tout ce qui nous concerne, c'est ce qui nous touche. C'est hyper important, mais il faut arrêter. Non, non. On pourrait très bien arrêter la famine. Ben oui. Et Mais puis ça alors, il a rapporte été rien. ridicule. Moi, je m'attendais, hein, aux zombies, aux mutations génétiques, devoir combattre des monstres. Non, rien. Même pas. Ils sont même pas revenus à la vie après. Là, on aurait pu avoir peur. Là, sincèrement, oui. Parce que avant que les gens osent planter un couteau dans le crâne de quelqu'un, je pense que voilà. Oui.
Enfin, là, ils cherchent pas à terminer, hein. Ils sont en train d'instaurer tout un tas de trucs et c'est nous qui l'avons dans le cul, de toute façon, encore une fois, hein. Ben oui, mais pour instaurer leur vaccin, qui sera peut-être d'ailleurs le déclenchement du prochain virus, hein. Ça sera tellement plus facile. Et en plus, comme on a dit, oui, dans l'absolu, c'est possible de trouver un docteur complaisant qui dise oui, vous avez été vacciné et tout. Sauf que le prochain, il y a des trucs qu'on peut scanner depuis l'extérieur. Donc tu auras beau avoir ton petit panier, ton papier. Si tu fais pas bip quand tu passes, eh ben, t'as pas été vacciné, quoi. Donc mettre encore des choses qui dans le corps humain. Carl travaillait dans le public. Je croyais qu'il était mécanicien à son compte. Ben si, il voit du public. Donc, il Ah doit avoir oui. des gros cons qui prennent la tête. Il y a un mec, un toubib là, qui passe à la fin du mois devant l'ordre des médecins parce qu'un de ces connards de patients l'a dénoncé parce qu'il n'avait pas de masque pendant la consultation. Mais putain, mais je sais pas si le mec il est pas content, il s'en va du cabinet. Ouais, ben non, il Moi l'a je. dénoncé. Donc, le mec, il passe au conseil de l'ordre là à Lyon. D'ailleurs, il a demandé à ce qu'il y ait plein de gens qui viennent pour le Il a raison. soutenir, à cause de ça, à cause d'un connard. Moi j'aurais kiffé que le médecin hier il me reçoive sans masque. Hein. Franchement, faut arrêter. Hein. Mais oui. Mais même, il y a combien de vidéos de gens dans les magasins qui ont fait un scandale? Là, il y a un mec qui s'est fait tabasser, enfin, par les flics, un mec qui travaillait dans un supermarché. Bon. Il est capable, enfin bon, bref, c'est pas une raison. Parce qu'il avait son masque en dessous du nez, et bien il y a un client qui a vite été téléphoné à la police et ils lui ont sauté dessus comme si c'était un terroriste, hein, quand même. Mais voilà, après moi, ça me donne encore des envies de meurtre. Hein. Ben oui. Ah, pas mécanicien, mais garagiste. C'est quoi pour toi la différence, Clara? Ah, peut-être que toi, tu chapeautes, donc tu ne fais pas de mécanique, juste du garage. Non, il a une dépanneuse. Ah oui, c'est vrai. Une grosse dépanneuse. Mais il y a plein de vaccins qui ont fait de problèmes. C'est quoi? Il y a un vaccin. Ben celui, enfin je vais pas dire qui, mais que son petit frère a été vacciné et que depuis, ben, il a eu des problèmes. Oui, il y a eu ça, mais depuis. Le truc là, le papillomavirus virus, Oui. pareil, il y a eu plein d'histoires. Voilà. En fait, le problème, c'est pas le vaccin en lui-même, c'est toute la merde qu'il y a dedans. Parce que le vaccin, en vrai, l'idée du vaccin est super. On Ah ben oui. prend un virus, on lui tape un peu sur la gueule, on le met dans le corps et les anticorps qui eux sont. Il lui tape encore plus sur la gueule et il se développe. L'idée Ouais, est puis tu sais, géniale. Elle a sauvé des millions et peut-être même des milliards de vies. Je suis d'accord. Mais aller mettre de l'aluminium, mettre du fœtus humain, mettre plein de merde là-dedans et l'injecter dans le corps, et alors en plus l'injecter dans le corps de bébé qu'on a empêché de prendre ses immunités. Aussi, ne l'oublions pas, qu'on désinfecte le vagin parce que c'est un peu sale. Voilà, on désinfecte, donc le gamin ne prend pas ses immunités, il sort, déjà on coupe le cordon pratiquement aussitôt, alors que en vrai il faudrait attendre un petit peu que tout passe dedans et qu'il soit immunisé. Et aussitôt qu'il est né, enfin quelques temps après, mais bon, tout va. Paf, 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 on lui balance de l'aluminium dans le corps. C'est quoi l'intérêt? Enfin, si, il y a sûrement un intérêt, hein, Oui, il y en a un, mais c'est pas pécunier. l'intérêt. Voilà. Et même de rendre les gens malades, puisque en fait, Oui. ça rapporte plein d'argent de les soigner sans les soigner en vrai, quand même. Parce que, Il faut pas les guérir. Il faut voilà, les parce que maintenir si, suffisamment malades. voilà, si on les guérit, ça rapporte plus. Est-ce que l'histoire, justement, revenons sur Lyme, est-ce que cette histoire n'est pas faite exprès aussi?
Parce qu'ils doivent bien le savoir que les renards faisaient machin et en quoi ça gêne. Le renard, il va aller bouffer trois poules, et ben, on met un animal pour garder. C'est comme les moutons. On tue les loups. Ok, c'est bien. Sauf qu'avant, il y avait des patous. Et les patous, eh ben, les loups, ils ne venaient pas. Hein. Les patous étaient là pour ça. Maintenant, on a viré les patous. Alors déjà, on l'a viré parce que les connards qui font des randonnées rentraient dans les pâtures, prenaient les petits moutons pour les caresser. Le patou, eh ben, il les pinçait. Ben oui, c'est normal, c'est son boulot. Et donc, les connards de touristes portaient plainte contre les bergers, hein, déjà, machin. Mais bon, il n'y a pas que ça. C'est que ça voulait dire qu'il fallait qu'il y ait un berger, qu'il fallait machin. Eh ben non, on a supprimé la patou, on laisse des tonnes de bêtes toutes seules. Bon, ils recommencent à mettre des bergers maintenant. Mais à un moment, il n'y avait plus rien. Ben oui, mais le loup, il mange, c'est normal. Il est là pour se nourrir. De toute façon, il n'y a plus d'animaux sauvages. Les 90% d'animaux qui existent sur Terre sont des moutons, des poules, des vaches élevées par les humains. Et dans quelles conditions? Oui. Bonne nuit à Anaïs, hein. Je te coupe vite fait. Bonne nuit, Anaïs. À À jeudi jeudi prochain. prochain. Ben en fait, j'ai lu un truc, c'est que dans les pays asiatiques, donc déjà dans les pays asiatiques, ils mettent un masque, au Japon par exemple, parce qu'il y a trop de pollution. Donc oui, la pollution, elle passe pas des masques, hein, elle est assez grosse. Je suis la pollution. Elle se bloque et donc on arrive à respirer un peu mieux parce que il n'y a pas que en Angleterre qu'il y a du fog. Hein, au Japon, il y en a 3 tonnes. Donc ils ont ça. Et ils se sont aperçus que ça rapportait des milliards par an, la vente de masques. Et on n'avait pas encore ça en France et en Europe. Voilà. Et donc, et en plus, ça a un autre intérêt. C'est que ben, si tu as le masque, ben, ils peuvent continuer à polluer parce que comme ça, ils seront plus emmerdés. Il y aura moins. Sur la pollution, oui, il y aura moins de morts, hein, je pense, machin. Mais il y aura des morts dans l'autre sens d'avoir respiré leur vapeur. De toute façon, il y a Leur une miasme. raison pour laquelle on respire et qu'on a une bouche, un nez et que ça part. Ben oui, si on évacue, c'est qu'il y a besoin, hein. Voilà. Et en plus, pourquoi on a des poils dans le nez? Alors, il y a tous ceux qui enlèvent leurs poils dans le nez. Alors, ça, ils ont raison. Sauf que les poils dans le nez retiennent les grosses particules, justement. Ben, tous les poils de partout, de toute façon, ils servent. Ouais. Ben oui, si on a des poils, c'est qu'il y a une raison, de toute façon. Est-ce que vous savez qu'on a autant de poils sur le corps que les singes? Ouais. Ouais, sauf qu'ils sont moins longs et moins gros, les nôtres. Mais sinon, on a autant de poils sur le corps que les singes. D'accord. C'est rigolo. Ouais. Mais ils sont moins gros et moins visibles. Mais oui, tout disparaît, ça devient triste. Mais bon! On peut faire de la résistance, comme Papy. Papy fait de la résistance. Un très bon film, très rigolo. Il n'est pas changé. Et là, on apprend d'ailleurs la vie secrète du demi-frère d'Hitler. C'est quelque chose. Oui, donc Karl, il est multitâche en fait, mécanique, dépannage, service client, démontage de pièces. Mais oui, il fait plein de choses, Carl. Gel hydroalcoolique, mais oui, ça Putain, oui, détruit hein. tout, ça détruit les bonnes bactéries. Des îles désertes, ça m'étonnerait qu'il y en a encore. Non, elles ont toutes été achetées par des milliardaires. La seule île qui serait intéressante, mais attention, je dis, enfin, il faut pas le faire, hein, ce serait l'île des... Comment s'appelle-t-il? Oh putain, j'ai perdu leur nom. Ah oui, des sentinelles. Sentinelle. Voilà, ce serait la seule qui serait intéressante. Mais clairement, il est inenvisageable d'y aller ou quoi, parce que ce serait vraiment abusé de faire ça. De toute façon, Et tu ils ont de la comptais... chance, eux. Et oui. Ils ont de la chance de ne pas avoir de pétrole. Ils ont de la chance de ne pas avoir de choses précieuses parce qu'il y aurait longtemps qu'on leur aurait pété la gueule tellement qu'ils sont cons, les humains. Là, on les laisse parce que voilà, mais il n'y a rien à prendre. Mais ils ont raison de ne pas se laisser faire. Temps en temps, il y a un connard qui essaye d'y aller, qui se fait buter. Mais tu verras qu'un jour, de toute façon, ils iront. Hein, ils iront leur péter la tête. Ils vont y aller. Alors que c'est eux qui ont raison.
Bah oui, ils ont raison, bien sûr. Je me rappelle quand j'étais gamin, je cherchais une île déserte non découverte sur une matmombe. Bon, certes, c'était un peu ridicule. Mais j'étais petit, hein, j'ai des excuses. Maintenant, tu sais. Orion parle de d'autonomie, tout ça. Les concombres là et les aubergines dans le potager, ils ont fait une poussée. Ah ouais? Ouais. Coquine. Alors, ils commencent à être bien gros, comme je les aime. Il y en a plein, il y a du choix. Il a fait hyper chaud et puis il a Ouais. plu. Les murs, je vais rater les murs si ça continue. Parce Il que... y en a encore qui sont rouges, donc c'est Ah bon? bon. Pour Parce que l'instant, là, il y quand en je suis a parti, il sûrement. commençait à être noir, j'en ai bouffé quelques-unes. Mais Oui. voilà, ça va être un peu just hein, Puisqu'on quand n'a je vais pas rentrer. de temps à garder, parce que, enfin, comment ça se garde? Euh, Si je faut les les paye, elles faire, vont pas se garder. faut les faire en confiture. Mais jamais Ah oui, moins. remarque. Ouais. Moi, je les aime fraîches. À picorer. Nature. Ben, c'est meilleur. Quand tu dis nous en Adam et Ève, Kadinéa, ça me fait penser à l'autre conne là pour la l'isolation. Vous savez, les isolations à 1 euro, machin et tout, donc je me renseigne pour un truc spécifique. Donc moi, je leur dis, je ne veux pas un call center, je veux quelqu'un de la société, parce que c'est un truc spécifique. Il y a des chances que ça soit non, mais je veux juste savoir. Et la meuf, elle m'appelle. Donc je lui explique, machin. Elle me dit, ah, mais vous avez transformé le garage en maison, donc vous avez mis une salle de bain. Non. Non, j'ai pas mis de salle de bain. J'ai dit, en plus, on n'a pas de salle de bain, donc on a un évier, on peut très bien se démerder avec un évier comme avant et tout. Et la meuf qui me prend de haut, ah, oh, mais vous vivez nu au Moyen Âge, vous me faites perdre mon temps et tout. J'ai dit, mais je t'emmerde, Salope. grosse pute. J'ai dit, ok. J'ai raccroché, j'ai rappelé le patron et j'ai hurlé comme un sourd. Je ne sais pas si elle a eu un truc derrière, je m'en fous. Mais comment j'ai insulté le patron à lui dire, mais c'est quoi vos employés de merde là, machin et tout. Donc du coup, il m'a renseigné quand même. Il a été se renseigner, machin et tout. Bon, j'ai eu ma réponse. Et elle m'a, il y a l'assistante de direction m'a retéléphoné après pour me présenter des excuses, machin et tout. J'ai dit, mais de quel droit des gens peuvent juger comment les autres vivent? C'était une Ben grosse ouais. conne. Mais du coup, Et... oui, t'as fini par avoir une réponse ou pas alors, au final? Ah, mais c'est pas lui, c'est un autre que j'avais appelé. Ouais. Mais ça, et quand j'ai raconté ça, dans le groupe d'autonomie, il y a un mec qui a dit que lui, il avait eu la même parce qu'il avait téléphoné à une société pour faire des cuisines. Et quand les mecs lui ont demandé le métrage de sa cuisine, il a dit 1,20 m sur 90 cm, machin. Et les mecs l'ont insulté aussi, l'ont envoyé chier. Mais putain, plus tard ils comprendront, peut-être. Mais Orion, t'étais aux rencontres, celles où il y avait Martine et tout ça? Hein? Je sais pas, Orion, il dit qu'il a appris avant-hier à faire les rencontres, à faire le savon. Pff, je mélange tous les mots. Et j'ai vu que Oui. Martine, elle avait dit plein de... Ils étaient nombreux. Ben, l'eau, franchement, on peut faire plein de choses pour essayer de ne pas la gaspiller. Déjà, quand tu vas pisser, juste, tu tires pas la chasse à chaque fois. Quand tu fais la vaisselle, nous, on a une bassine dans le, dans l'évier. On récupère l'eau. Si on n'utilise que du savon, ben, on arrose les plantes, ça fait du bien. Sinon, on met dans les chiottes comme ça, parce qu'on a, enfin, on a des toilettes sèches, mais on en a une toilette aussi qui fonctionne avec de l'eau encore. Ça sert pour la chasse d'eau. Ouais, il y a plein de façons de faire. Ben forcément, on ne laisse pas couler l'eau si on ne sert pas. On récupère l'eau de pluie. Oui, c'est plein de petites choses. Mais je pense qu'on devrait faire à l'école, on devrait leur apprendre, machin,
Parce que, ou même les gens, faire des stages avec de l'eau en cuve, comme ça, ils se rendent compte de combien ils consomment. Carrément, oui. Voilà, ils se Parce rendent qu'on compte le parce que. voit avec les fûts et les cuves, hein, combien on consomme. Voilà, parce que ouvrir le robinet, c'est facile, hein. Voilà. Mais les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils consomment. Bon, déjà, la chasse d'eau, déjà, c'est un peu une aberration de mettre de l'eau potable dans une chasse d'eau. Oui. Mais pour le reste aussi, je veux dire, ils laissent couler l'eau, machin et tout, ils ne se rendent pas compte. Alors que si tu as une cuve avec un taux d'eau donné pour un certain temps, bah, tu vas y faire attention à ton eau et puis tu vas te la recycler, ton eau. À la première fois, tu tomberas en rade, hein, tu n'auras plus d'eau et tu vas te dire, merde, il me reste une semaine, j'ai plus d'eau. Hein. Mais après, tu feras vraiment gaffe. Oui, c'est hyper intéressant, ce serait bien, oui, d'apprendre ça. Bon, on n'a pas été très intéressé par le truc du savon. Non, parce que je ne sais pas ce qu'on pourrait faire dans le savon, Voilà. mais il y a d'autres thèmes, oui, qui seraient intéressants. Mais le savon, oui, sinon, oui, j'ai déjà regardé comment ça se faisait et tout, mais c'est vrai que je ne suis pas hyper passionné par le savon. Oui, Carl, il est habitué au froid, il est au Canada. Mais oui. Donc forcément. Il est d'accord avec Elodie, ok. Le problème, c'est que la glace et la neige, surtout, c'est pas vraiment de l'eau. Enfin, on ne peut pas la boire comme ça, il faut d'abord la décongeler et machin. Ah bah là à l'école où ils vont faire chier sur le lavage des mains et tout, et ça va être encore pire. Puis franchement, comment tu veux gérer des petits, quoi? Puis en plus, empêcher les petits de se toucher entre eux. Donc ça n'a Mais rien oui. de pervers, Orion, hein. Orion. Mais les gamins, je veux dire, c'est normal, ça se touche, ça prête les doudous. Ils veulent qu'ils amènent un doudou à l'école qui restera tout le temps à l'école et qui sera désinfecté. Mais quelle horreur! Moi, mon Mais doudou, non. il fallait qu'il pue. Bien sûr. S'il Et pue puis pas, il sert à rien. il reste pas à l'école le doudou. C'est t'as pas un doudou d'école, un doudou de maison, t'as un doudou tout seul. Enfin, je sais Oui, ben pas. non, là, ils veulent un doudou pour l'école. Il sortira jamais. Alors déjà, c'est libérer les doudous. Déjà, libérer les pierres et libérer les doudous. Voilà, et les gamins, enfin bon, ça va être l'horreur pour les gamins. Ils vont être hyper perturbés. Il y a des gosses qui n'osent plus sortir, qui veulent plus sortir tellement qu'ils ont peur. En vrai, ce qu'il faudrait, ce serait que les parents n'envoient plus les gamins à l'école du tout, hein, parce que vu comment ça tourne, mais il y a plein de parents qui peuvent pas, qui veulent pas, qui vont être emmerdés aussi. Il y a plein de parents Qui... qui ne peuvent pas. Oui, c'est, je sais. Intellectuellement, ils ne Oui, peuvent aussi. pas faire l'école à la maison. Parce que Oui, c'est. mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, et oui. Mais en vrai, oui, il faut juste le déclarer. Il faut déclarer au préfet, je crois. Dire Ouais, qu'on fait mairie, l'école à la préfet. maison. Et Ouais. basta, quoi. Ben oui. Là, Parce ils que, vont voir enfin. leurs copains, mais ils ne vont pas pouvoir jouer avec. Ça va être bien. Ça va être beau la génération qui arrive. Hein. Ben, au moindre coup de vent, ils vont tous tomber malades. Et puis, ouais, ils vont tous avoir peur les uns des autres. Ils vont. Oh. Vous n'avez pas de compteur d'eau, Karl? C'est-à-dire, ça, genre l'eau, elle arrive dans les maisons direct, sans passer par un compteur, sans être facturée? Oui, mais Kalina, tu te rends bien compte que 1 mètre de distance dans une école, au moins jusqu'au CM2, enfin, c'est juste pas possible. À la maternelle, mais c'est mort, quoi. Je me Et rappelle quand mes donc, parents... on revient au truc de séparer les enfants des parents, parce que forcément, ils vont devenir positifs sans être malades, mais ils vont être positifs, ils vont être malades pour d'autres choses, et ils vont vite en profiter pour les séparer. Et c'est tellement facile après d'inculquer des merdes à des enfants tout petits, quoi. Ah bah oui, c'est du lavage de cerveau derrière. Ça, c'est sûr. Hein. Il faut que les parents ils bougent quoi. Moi Oui, mais il y j'aurais. a tellement de parents qui sont contents de se débarrasser de leurs mioches en les foutant à l'école. Oui, il y en a plein qui les ont découverts pendant le confinement. Mais t'es à Oui, moi, toi. T'as déjà et 9 ans. comment tu t'appelles déjà? C'est quoi ton prénom?
Oh, mais t'as le même nom de famille que moi, dis donc! Incroyable. Mais c'est dingue! Mais bon, voilà, oui, les gens, ben voilà, il faut qu'ils fassent quelque chose. J'aurais un gamin en bas âge, ben c'est même pas la peine, quoi. Il irait pas à l'école, hein. De toute façon, pour apprendre ce qu'ils apprennent. Hein. Bah oui, non, c'est pas la peine. Autant leur apprendre à la maison, les bases, machin. Bon, et puis jusqu'à un certain âge, c'est facile quand même. Mais bon, oui, il y en a Oui. certains qui peuvent pas, Non, il y en a qui franchement. peuvent pas, même le CP, quoi, ils peuvent pas. Hein. Je peux citer des noms, hein, mais Voilà, on a une liste. en tout cas, ce n'est pas des gens qui sont ici. C'est déjà Non. ça. C'est un peu les gens qu'on ne veut pas sur notre live, justement. Ouais, en gros. Ah ouais, l'eau est gratuite. Putain, bah, je ne savais même pas, tu vois. Enfin, je suis restée que 4 mois au Canada, hein, mais je ne me suis pas posé de questions. J'étais moins. Je faisais déjà attention, j'avais déjà viré écolo et tout, hein, mais j'étais moins à regarder tout ça, à me poser autant de questions. Mais oui, ils vont choper un rhume, ça va être Corona, mais Bien sûr, hein. tous, quoi. De toute façon, c'est normal que des gamins. En plus, ils vont surchauffer encore les classes, les maisons, les gens surchauffent leurs maisons. Il y a plein de gens. Bon, il y a des gens normaux, hein, qui ne les surchauffent pas, qui les mettent normalement, qui préfèrent mettre un pull, machin. Mais il y a des gens, eh bien, l'été à 25, ils agonisent à moitié, ils sont là, oh, je coule, je vais mourir, ah là là, mais c'est terrible. Et l'hiver, ils sont à 30 dans leur baraque. Oui, C'est ça n'a pas de n'importe sens. quoi. Tout ça pour se promener en t-shirt dans leur maison. Mais non, 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 t'es en pull, t'es en... Voilà, c'est tout. Et puis le froid, on en a besoin, ça tue les microbes, ça tue tout. Hein, donc, Ben oui. oui, il faut de la patience pour éduquer un gamin, mais en même temps, le faire, c'est rigolo. Mais si tu veux juste t'amuser à le faire parce que c'est rigolo, il y a des moyens de ne pas avoir le gamin derrière aussi. Hein. Je ne parle pas de l'abandonner ou voilà, hein, mais on est quand même dans une époque où on peut se permettre de s'amuser sans avoir un gamin derrière. Donc si tu le fais, oui, derrière, ben, tu en as pour 20 ans minimum où tu dois t'en occuper, tu dois lui apprendre des choses, tu 20 dois. ans, Oui. non, t'en as pour toute la vie. Hein. Si t'es un gamin, c'est pour toute ta vie que tu l'as. Oui, tu en as pour toute la vie, mais je parlais au niveau scolaire. Ah, oui. Oui, ben oui, c'est pour toute la vie. Ça, c'est sûr. La boutonnée n'est pas admise. Ça doit être difficile quand même, hein, parce que avec le Ouais. temps qu'il fait chez vous. Et puis bon, oui, il y a sûrement chez vous des gens pareils qui chauffent, qui surchauffent la maison et ils sortent, le gamin. Les gamins, naturellement, tu sors, t'es pas obligé, tu mets pas un blouson, t'as chaud dans ta maison, ben, tu vas sortir. Je sais pas, voilà, t'attrapes facilement. Oui. Et puis un rhume, c'est rien, quoi. Voilà, Puis c'est. les poulets sont moins sensibles aussi, au chaud, au froid. Oui, sauf que on les habitue. Ah, pardon. Oui, on les habitue. Tous les gamins qui naissent l'hiver sont plus fragiles que les gamins qui naissent l'été, enfin, dans un monde normal, hein. Parce que les parents, ils surcouvrent les gamins en hiver et tout ça, alors qu'en été, ben, les gamins, ils sont à poil, quoi. Donc, ils font des immunités. Mais Franchement, oui. je t'en joue, hein, c'est à l'époque actuelle, oui, c'est mieux de pas en avoir. Clairement, c'est mieux pour eux parce que franchement, l'affaire des gosses, enfin, je trouve ça hyper égoïste parce que là, tu le fais pour toi, tu le fais clairement pas pour lui, tu lui offres une vie de merde dans un monde de merde. Et puis quand Je il est crois un que peu je... plus grand et qu'il va dire à certains, t'as fait quoi toi quand il y avait encore possibilité? Bah rien, j'étais un gros con. Bah oui, mais ça. Je regardais BFM et C8. Voilà, oui. Mais c'est ça le problème. Même si ça fait chier, parce que voilà, mais non, 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 on n'a pas le droit de nos jours de... En plus. Il y a des gens qui disent, ah, oh, mais on n'a pas fait exprès. Non, non, de nos jours, il est impossible de ne pas faire exprès, à moins que tu sois teubé. Mais Voilà. oui, il y a bien assez de moyens. Mais il y a encore des gens. Hein. Je sais qu'il y en a encore, je Il y sais. avait eu quelqu'un qui était assistante sociale, le Qu'est-ce qui est mec. arrivé à ma caméra? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ma caméra? Je sais pas, Ah, il a fait un gros plan et après il est reparti. C'est la caméra dont vous êtes le héros.
Super. et donc, l'assistante sociale voyait des teubés, des vrais, hein, des cassos, machin. Il voulait un gamin. Donc, ben, comme ça, ah ben oui, il faut machin. Tant que vous le faites vous-même, vous avez tous les droits. Et au bout d'un moment, ça marchait pas et tout. Et ils avaient fait des tests, machin, tout allait bien. Et le mec, il dit, mais oui, mais pourtant, je mets bien mon sexe dans son nombril et ça ne marche pas. Et ça, c'est pas une histoire d'il y a 40 ans, hein, c'est une histoire d'il y a 10 ans. Ben, continue à mettre ton sexe dans son nombril, écoute. Franchement, c'est ce que tu as de mieux à faire à ce Oui, stade-là. je pense, oui. Un peu Franchement. comme les autres à Condom. Ils auraient mieux Oui. fait de mettre son sexe dans le nombril, hein. Dans le cul ou dans la boule, n'importe où, mais voilà, non, faut arrêter, quoi. C'est. Non. Et après, par contre, quand tu vas adopter, on te fait chier. Ah Parce oui, que là non. par contre. Alors qu'il y en a plein qu'on pourrait sauver. De toute façon, ils sont déjà là. Donc voilà. Oui. Mais non, on n'a pas le droit d'adopter. Ça glisse sur une plaque de verglas et hop, enceinte. Je sais pas, enfin, dans les écoles, on a des cours, on nous parle assez de la pilule, même si la pilule en soi c'est chimique, enfin voilà, c'est un médicament, mais il y a les préservatifs. On peut en avoir n'importe où des préservatifs gratuitement. Maintenant, ils sont en plus remboursés par la Sécu. Donc si on va à la pharmacie avec une ordonnance du médecin, on peut en avoir à volonté. Enfin, il y a plein de moyens. Donc non. Oh, c'est un accident, il n'était pas désiré. Non. Non. Puis en plus, Et que c'est... les mecs reportent la faute sur la femme en disant elle m'a fait un enfant dans le dos en me faisant croire qu'elle prenait la pilule, mais non, déjà tu fais pas confiance à une femme et ben, tu mets une capote et puis c'est tout. C'est non, à partir du moment où tu acceptes de faire confiance comme ça, de croire et de pas te protéger, ben, tu es aussi responsable qu'elle. Ah oui. Mais il y a plein de meufs qui veulent pas de préservatif. C'est ça le pire. Eh ben elles ont qu'à pas se faire sauter, tant pis, elles Je prennent suis une courgette. d'accord. Mais je veux dire, parce que souvent on dit, ouais, c'est le mec, nanana, qui n'a pas voulu et tout. Mais je peux Oui, vous je suis affirmer d'accord. qu'il y a plein de meufs qui ne veulent pas. Oui, il y en a plein, je le sais, oui. Enfin, Enfin, c'est pas grave, en 2050, il y aura une chute, plus personne, voilà, ça ne marchera plus pour personne, ça sera très bien. le problème sera réglé tout seul. Après, oui, je comprends qu'on veuille des gamins et tout, mais dans ce cas-là, ben, on fait le rebelle, quoi. On lui apprend les bonnes choses, on s'en occupe, surtout. Et on ne le laisse pas, voilà, on ne laisse pas l'école, par exemple, parce que apparemment, de nos jours, les gens considèrent que bonjour, merci, au revoir, c'est l'école qui doit le faire. Non, ça, c'est la Non, famille. la famille, hein. Voilà, d'être poli, d'être machin, d'être solidaire, machin, bah c'est la famille qui doit le faire, hein, ça. C'est pas l'école, elle est là pour instruire. Et encore, on n'est pas les plus mal lotis. Non. Bien que ça tend à le devenir, puisqu'on enlève plein de choses dans les programmes. Mais bon, c'est fastidieux, c'est fantastique. Ça aussi, voilà, on enlève plein de choses dans les programmes, c'est pour orienter les pensées, c'est pour enfin faire de la. Oui, voilà. C'est aussi de la manipulation de toute façon. J'ai vu, je ne sais pas où. Alors, est-ce que c'est un fake ou pas? Je n'ai pas cherché. J'avoue que je n'ai pas cherché. Qu'il y a des écoles où il y a des programmes où Total vient parler d'écologie. Putain, oui, j'ai vu ça aussi. Que EDF, enfin Erendis, oui, vient pour parler d'économie d'énergie. Je ne sais pas, j'ai un problème. Ils sont en train de privatiser les écoles et d'inculquer aux gens que, alors ben oui, aux enfants, que oui, ben il n'y en a qu'un qui propose de l'énergie, c'est Rémi, ben là c'est eux, que Total sauve le monde. Oui. Non, non, non. Mais si derrière, à la maison, les parents, ben, on va regarder Hanouna, voilà, ben oui, non, le gamin, il n'apprendra rien. Regardons BFM. Voilà, il n'apprendra rien. C'est aussi aux gens à inculquer les choses. Oui, mais déjà que les gens percutent, il y a quand même un problème que enfin, Total est quand même l'un des plus gros pollueurs au monde et qui viennent à l'école pour apprendre des trucs aux enfants. Enfin, non, non, ça ne peut pas. Il y a un truc qui colle pas.
Vous avez des primes aussi au Canada? Enfin, vous, c'est des primes, mais nous, c'est des allocs, mais. De toute façon, quand tu fais un gamin, bah, c'est parce que tu le veux en vrai, que tu as des projets pour lui, que tu veux. Un gamin doit toujours être plus intelligent que ses parents. Le problème, c'est qu'on rentre dans une ère où on chute tellement de QI que ben non, ça ne marche plus. Mais normalement, en théorie, un enfant doit savoir plus de choses que ses parents. Bah, c'est important, c'est l'évolution, machin et tout ça. Sauf que là, le QI, il est en train de se casser la gueule chez tout le monde, hein. Oui, ça régresse beaucoup. Il y a des fois, tu as envie bah, de te droguer avec des drogues dures pour ne plus avoir ton cerveau qui réfléchit. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être hyper bien de ne pas réfléchir. Voilà, ils ont l'air tous très heureux. Ta fille est très intelligente, Kalinéa. Les infos, c'est de la merde. Il faudrait des infos qu'avec des choses positives. Sauf que les choses positives n'intéressent pas les gens. Mais c'est Voilà. pas vendeur. Voilà. Les gens ne s'y intéressent pas aux choses positives. Je sais pas, on préfère dire, oh, il y a eu tant de morts. Alors, je sais plus, 500 000, même pas, enfin, un truc comme ça. Voilà. Au lieu de dire, ben, 99,99% de la population Survécu. a assimilé le virus. Ça, c'est joyeux. Ben non, c'est mieux Ben de dire oui. oui, mais il y a des morts. Il y a tant de morts. Par contre, on ne va pas dire en pourcentage, parce qu'on ne va pas dire il y a 0,04% de gens morts sur le monde. Ça ne veut rien dire. C'est pas bien. Un Voilà. nombre avec plein de zéros, c'est mieux. Ah oui. Oh, il y en a tant. Oh là là, mais c'est terrible. Non, mais on est bientôt 8 milliards. Mais fais-lui bouffer son portable. Oui, donc au Canada aussi, ils ont des Ah allocs. ouais. Je croyais qu'au Canada, c'était. Ouais, mais non, c'est le Canada. Enfin, c'est le Québec. C'est pas. Mais oui. Moi, j'ai été prof au Sénégal. Ben oui, ben ils savent tout par cœur. Tu peux leur dire, voilà, ce bouquin, quel est le quatrième mot de la cinquième ligne de la page tant du chapitre machin? Le mec va te sortir le mot. Tu essayes de. Il y avait un prof à l'école Veto qui voulait. Il prenait le cours et il extrapolait pour que les gamins, enfin les ados réfléchissent, machin et tout. Il s'est fait virer parce qu'on lui a dit non, il faut poser des questions où il y a la réponse dans le livre. Il ne faut pas leur demander de prendre cette réponse, de l'analyser et de la reporter sur autre chose. Voilà, non, il ne fallait Il pas. faut pas réfléchir. Il ne fallait pas réfléchir, oui, il faut dire du tac au tac ce qu'il y a marqué dans le bouquin. Il y a plein de pays où c'est comme ça. Et en France, ça va le devenir. Jusqu'à maintenant, ben non, on a quand même eu une école qui était vraiment hyper bonne à un certain moment. Et là, on tend vers ça, quoi. Maintenant, c'est un peu fatigant de réfléchir, hein. Il faut pas qu'ils se fatiguent trop, les enfants. Mais même les adultes, il faut pas qu'ils se fatiguent. Parce que s'ils se fatiguent, ça va travailler et TF1 ne pourra pas bourrer le crâne pour vendre des choses, pour vendre du Coca-Cola. Et après, on ne peut plus faire ce qu'on veut des gens s'ils réfléchissent. Ça, c'est Ouais. embêtant. Bah, de toute façon, voilà, un peuple inculte sera plus facilement gouvernable qu'un peuple qui réfléchit. Ah oui, ça c'est sûr. Idiocratie. Oui, encore. Orion, du coup, tu l'as regardé, Idiocratie, ou pas encore? Il va falloir qu'on lui fasse une clé avec tout. Ouais. Oui, mais lui aussi il doit faire une clé avec des trucs qu'il doit nous amener. En même temps, il peut être sur son portable et regarder Science et Vie, par exemple. Ça n'a aucun problème que ça soit sur un portable ou sur un livre.
Je veux dire, bah, absolu, si tu fais quelque chose d'intelligent de ta connexion d'Internet, il n'y a aucun problème. Le souci, c'est s'il regarde des conneries. Là, oui. Voilà, c'est. Parce qu'il y a des choses intéressantes sur Internet. Tu peux apprendre plein, plein, plein de choses. De toute façon, quoi que tu veuilles faire, tu vas voir, il y a un tuto. Et tu apprends des choses. Mais il faut aller chercher des bonnes choses. Voilà. Si tu. Si, non. Mais regardez à quoi on en a été réduit quand même. Pendant le confinement, YouPorn a quand même offert un accès gratuit à tout le monde. Oui. Par contre, je ne suis pas sûr que Science et Vie ait offert un accès à tout le monde. Et même s'ils avaient offert un accès, est-ce que les gens y seraient allés? Je ne crois pas. Voilà, le problème, il est là aussi. Le portable de débilité. De quoi? C'est que le portable de débilité. Donc oui, c'est plus embêtant, je reconnais. Et c'est dommage. Franchement, avant qu'Internet arrive, enfin quand il est arrivé tout à fait au début, enfin il existait déjà, hein, déjà puisqu'il existe depuis les années 60, mais quand il a commencé à se démocratiser, qu'ils ont inventé les explorateurs là, en WWW, que les gens ont commencé. C'était merveilleux. On a dit, putain, les gens vont pouvoir apprendre tout ce qu'ils veulent, ils vont avoir un accès à l'information, à la connaissance, ça va être génial. J'ai connu Internet où il n'y avait pas une pub. C'était génial. Franchement, tu allais sur tous les sites, il y avait plein d'infos, il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas ces conneries toutes les 3 minutes. Il n'y avait pas ça. Et oui, c'était génial. Et puis ça s'est démocratisé, ils ont trouvé que ben, on pouvait rapporter beaucoup d'argent virtuel, enfin du virtuel là, mais qui rapportait du vrai argent derrière. Et là, ça a été le début de la fin. Et les gens, on leur a. Voilà, oh, ça, regardez, oh regardez le petit chat, oh regardez machin, oh regardez, vous pouvez regarder des accidents en direct. Il y avait un truc, c'était sur les news groups. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a, enfin ici, il doit y en avoir qui connaissent les news groups, Orion connaît. Il y en Oui. avait un qui s'appelait Miskellanus, Grotesque et un truc comme ça. Il n'y avait que des photos de maladies, mais pas pour apprendre à guérir la maladie, mais plus c'était gore, plus il y en avait. Des accidents, des gens qui se prenaient un train, des accidents de voiture, que des trucs comme ça, des trucs qui n'avaient aucun intérêt. Et ce putain de groupe marchait hyper bien. Les gens aimaient aller voir ça. Oui, ils aiment voir tout ce qui va pas. Ben oui. Bon, on était avec un modem, certes. Quoique au début, moi, je passais pas avec un modem, je passais avec des lignes transpac. En inverse, au lieu de récupérer, on rentrait dedans, on passait par des serveurs et on arrivait sur de l'Internet, mais de l'Internet en écrit. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de truc, on pouvait télécharger des images, on pouvait télécharger plein de choses, mais le truc, c'était que du texte. Et ça limitait beaucoup les gens qui y étaient. C'était trop bien. Alors, Karl, il a un décalage original quand même, parce qu'il voit les gens répondre avant qu'on dise les questions. Ben oui, il lit les réponses. Ah oui, mais non, 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 il y a pas de. Oui, mais non, c'est bizarre. Oui, mais lui, en plus, il a plein de kilomètres. Mais le Il a décalage du. horaire. Il a décalage horaire. Gling, 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 gling. La connexion 56K. Ben oui, mais elle avait le mérite d'exister, cette connexion, quand même. C'était un bonheur. Et puis en plus, tu payes. Vous savez aussi qu'ils veulent supprimer les forfaits illimités. Et alors, tenez-vous bien quand même pour la raison. La raison, c'est que ça pollue. Et que si les gens utilisent moins Internet, ils vont moins polluer.
Non, la vraie raison, c'est parce que ça aurait fait chier, parce que ça rapporte pas assez. Mais voilà, donc leur excuse, c'est oui, que les gens utilisent trop Internet, vous vous rendez pas compte, ça fait du CO2. Voilà. Donc ils vont vouloir repasser avec les histoires de 100 heures par mois, des trucs comme ça. Bon, en même temps, ils ont aussi peur que les gens se renseignent un peu trop sur des choses qui pourraient les embêter, j'admets. Oui, sur Internet, oui, on peut se rassembler, on peut s'informer, on peut, oui. C'est un peu gênant tout ça. Mais oui, ICQ. Mais même quand Messenger, MSN a disparu, ça a été un truc. Ça fait bien 10 ans que ça a disparu maintenant, MSN. Ouais. Ah ben oui, les Oui. antennes 5G, c'est vachement mieux. Ah ben, ça va. Ben oui, tout ce temps qu'on va gagner, on ne va plus avoir besoin d'y passer 2 heures parce que voilà. Donc j'adore parce qu'on te donne, on te dit ouais, ça va être génial, regardez Internet, ça va hyper vite, hyper vite, hyper vite. Mais ne piratez pas. Vous pouvez télécharger des films, des films. Mais achetez des. Non. Par contre, ne restez pas plus de 100 heures par mois. Hein, ça. Mais allez regarder BFM, c'est bien. Mais c'est pareil, toutes ces télés qui se sont multipliées. À l'époque où on avait quatre chaînes, même trois, même j'en ai connu, il n'y en avait que deux, puisque j'ai connu la naissance de France 3. Eh oui, je me rappelle. Les émissions, elles faisaient des millions de spectateurs. Il y avait des trucs, mais franchement, mais à l'époque, ils auraient fait de la pub comme ils font maintenant, mais ils se seraient fait des couilles en or. Maintenant, le maximum, c'est 50 000 personnes qui regardent un truc et ils trouvent ça merveilleux. Putain, mais c'est peu. Dans les trucs les plus machins, ils arrivent à 100 000, 200 000, mais enfin, c'est rien. À l'époque, c'était des millions qui étaient branchés, machin. Mais oui, mais ils ont tellement élargi le truc. Et donc, les mecs, eh bien, ils ne veulent plus dépenser des thunes pour faire des vrais spectacles. Ils prennent des choses qui coûtent rien et qui rapportent un peu. Il y avait ces petits bonhommes qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient sans jamais vomir. Ça, c'était très Oh fort, oui, hein. il était fort. Et le cochon qui lançait. Et les whiz, le Oui, truc hyper prise de tête. mais oui. Oui, ça doit bien faire 10 ans que ça a disparu. Façon, c'est pas compliqué, hein. Maintenant, soit ça appartient à Facebook, soit ça appartient à Google, hein. C'est en gros. Alors, Parce que Karl trouve MSN, qu'on c'est pas parle trop fort. Mais non, il veut qu'on parle plus fort. Ah, d'accord. Parle plus fort, je vais aller dehors pour voir si je vais t'entendre. Oui, mais il dit Enfin, ça je sais peut-être parce qu'on parle trop pas. fort. Ah, mais il a qu'à baisser le son. Sarcasme. Bazinga. Bazinga. Mais Mais oui, mais oui. c'était mieux avant. Ça allait moins vite. Mais on arrivait quand même. Bon, Oui, certes, on mais était. est-ce qu'on faisait moins de choses pour autant? Est-ce Non. qu'on manquait plus On de... Non, téléchargeait des films en 3 jours au lieu d'en 5 minutes, mais on le bah, faisait déjà. hmm. Et en plus, à l'époque, c'était encore pire parce que tu avais 80% de chances que ça soit un film de cul dans le Oui. film que tu voulais. Hein. Enfin bon, c'était hyper galère parce que. Oh putain, non! Je vois pas C'était l'intérêt d'ailleurs de faire ça, mais bon, bref. surprenant. Maintenant, quand tu télécharges un film, tu as quand même 99% de chances que ça soit le bon. Sauf quand on se Oui. trompe et qu'on prend un film russe à la Russe. place, mais qui était Oui, mais génial. ah, voilà, c'était bien. Donc c'est une belle erreur. Mais oui, tous les satellites et tout, oui. Et puis c'est nous qui polluons avec notre petite voiture, notre feu de cheminée et notre Internet. C'est Mais le ça. pire, c'est que l'espace est devenu une poubelle. Et à Ben force, il oui. va bien y en avoir un qui va taper dans un autre, qui va taper dans un autre, et ça va être. Là, ils veulent quadriller carrément autour de la Terre. Hein. Quadriller avec des ondes. Mieux surveiller, mieux contrôler, mieux agir. Ben oui, c'est pollué, c'est.
Mais de toute façon, ils n'ont pas assez pollué la Terre, hein. Il faut polluer ailleurs. C'est Et c'est normal. encore une chose qu'on n'arrive pas vraiment à aller sur Mars et sur partout, hein, parce qu'on sera allés tout saloper aussi, de toute façon. Bah, ils ont déjà pollué Mars et la Lune, puisque tous les trucs qui sont partis, qu'ils ont mis, ils les ont pas remportés. Donc c'est Non. resté là-bas. Déjà. Mais qu'on s'y installe pas. C'est déjà bien. Comme quand ils trouvent des planètes, des exoplanètes là qui ressemblent à la Terre, heureusement qu'elles sont loin. Hein. Oui. Et au mieux pour elle, rester loin, petite planète. Mais oui, Un des... satellite, je dirais, satellite. Ouais. Mais oui, ils veulent quadriller avec les satellites. Ben, puisque là, ils ont encore donné l'autorisation de je ne sais pas combien de milliers de satellites à être envoyés. Oui. Encore. Oui, on voit vachement plus de satellites qu'avant, ouais, quand on se pose pour regarder les Ouais. étoiles. Bon, on voit moins d'avions en ce moment, mais on voit plein de satellites. Ah, hier, il y avait un hélicoptère qui passait bas là, qui je sais pas ce qu'il foutait, il regardait partout, je pense. Tu lui as lancé des cailloux? Non, il était bas, mais quand même. Hein. Oui, on va être de plus en plus surveillé de partout. Il y a lui, mais il y en a un autre. Attends, c'est qui? Le dernier. C'est pas Amazon qui a eu l'autorisation d'en envoyer quelques milliers là pour suivre les drones. Oui, c'est Ouais, Amazon. c'est Amazon qui a eu des autorisations il n'y a pas très longtemps là. Et quand tu as allumé la télé, parce que moi aussi je l'ai allumée, hein, t'es pas tombé sur la pub d'Amazon quand même. Amazon qui a fait une merveilleuse pub. Si, avec des masques. Ah non, c'est pas celle-là que j'ai vue moi. C'est des gens qui sont hyper contents de travailler chez Amazon. Oui, mais ils ont des masques. Mais j'ai pas fait gaffe s'ils avaient des Si, masques. si. Ouais, Il y a un mec peut-être, qui ouais. dit, oui, avant je travaillais avec des enfants, machin et tout, mais je voulais intégrer une société qui me permettrait de monter les échelons et tout ça. Et il y a une meuf aussi qui parle. Noire et qui dit que genre elle a fui son pays parce que bah, c'était la Eh bien, guerre et tout. elle a, ils ont des masques. Oui, ils ont des masques, exact. Mais je me suis, mais enfin, ils sont. On sait tous les conditions de travail chez Amazon. Ils en sont rendus, même pas à recruter des gens, à faire de la pub pour inciter à aller travailler chez eux. Mais oui, c'est une Waouh. merveilleuse société avec des perspectives d'avenir. Oui. Ça donne envie. Mais oui, les bagnoles non polluantes, c'est de la connerie. Oui, ça fait longtemps que c'est un fait. Ben oui. Mais on arrive à différencier encore les satellites des étoiles filantes parce que les étoiles filantes passent vraiment très vite et sur un court-point, il y a un moment, tu les perds. Et alors que le satellite, il avance plus lentement et on peut le suivre vraiment. Ouais, ils ne bougent pas, ils ont une trajectoire. Mais ça me fait rire parce qu'avant, donc dans mon jeune temps, tout à fait au début de la télé par satellite, enfin par câble à Paris, ben, l'année que j'ai vécu à Paris d'ailleurs, en fait, il y avait 15 jours tous les 6 mois où il n'y avait plus de diffusion. Parce qu'il n'y avait pas assez de satellites et que quand ils passaient, la Terre tournait et qu'à un moment, il y avait une zone blanche. Et donc, pendant 15 jours, tous les 6 mois, il y avait des trucs. Ben, de nos jours, ça risque plus arriver. Et je pense que les gens hurleraient de nos jours si ça arrivait. Il serait Déjà, ils ont malheureux. plus... Facebook tombe en panne, c'est hyper rare. Pendant 5 minutes, mais tu as 200 000 questions sur les forums. « Oh, mais j'arrive plus à accéder à Facebook. » Oh là, 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 là. Voilà. Et à l'époque, c'était 15 jours, tous les 6 mois, que ça arrivait. Et je me rappelle, il y avait une radio qui s'appelle Champ de France qui émettait. Et du coup, pendant ces 15 jours, elle avait deux playlists qui tournaient en boucle, tout le temps. Bon, au bout d'un moment, c'était un peu chiant. Mais voilà. Ben oui, les voitures électriques, car on ne sait pas quoi faire des batteries. Et puis, Et il y des a panneaux solaires. les panneaux solaires. Et puis, c'est encore de l'énergie nucléaire, de toute façon. Donc, ça règle rien. Hein.
Oui, c'est vrai que les panneaux solaires avec les voitures, non, ça n'allait pas. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas non plus. Vous allez voir qu'un jour, il y en a un qui va avoir. J'ai une super idée, je vais mettre un panneau solaire sur la voiture. Ça me semble évident qu'au lieu de faire des voitures, puisque de toute façon, c'est du plastique, les voitures. Franchement, elles se prennent une bite avec deux T. Hein. elles explosent. Eh bien, dans ce cas-là, ils font les carrosseries en panneaux solaires. Et en plus, quand on roule, si on roule en solaire, bon, même si c'est pas écologique et tout, mais bon, je veux dire, vu ce qu'ils veulent faire, si on roule, eh bien, on utilise de l'énergie, mais la roue, elle est censée recharger la batterie en même temps. Donc, bon, on en perd un peu à chaque fois, c'est normal. Mais Oui, s'il y a mais des panneaux solaires en plus dessus, il n'y a même plus besoin qu'ils soient hybrides. Non. Mais bon, en vrai, voilà, si c'était vraiment solaire, pourquoi pas, mais les batteries, on ne sait pas comment en faire, ça c'est clair. Et même les panneaux solaires, on a 50 ans pour trouver comment le faire. Enfin, dans 50 ans, il n'y aura plus rien, mais. Il faut des choses qui rapportent, pas des choses comme ça. Mais oui, mais vous êtes un merveilleux sauveur de prendre une voiture électrique. Oh, c'est trop bien. Non, non, c'est pas. Et puis de toute façon, leurs usines, elles polluent, elles détruisent tout, et on vient dire aux gens, c'est votre faute à vous. Je me rappelle une fois, à l'époque où de temps en temps je tombais sur le journal télé, eh bien, il y avait un mec. Il habitait au milieu de rien, il habitait dans la jungle, hein. C'était un autochtone. Et il faisait un petit feu de camp. Et bien c'était limite que sur l'image, il n'y avait pas plein de doigts en disant c'est sa faute à lui, c'est lui qui pollue. Je dis, ah mais c'est quoi ce Oui, délire? sûrement. Genre, c'est lui qui pollue. Oui, mais tout seul, coupons-lui la tête. Qu'on lui coupe Oui. la tête! C'est ce qu'on disait, Orion, voilà, c'est s'ils peuvent plus vendre, ça les intéresse pas. Mais vous savez quand même qu'en France, pourquoi l'électricité elle monte hyper vite là depuis quelques années? Parce que grâce à leurs merveilleuses idées d'accords internationaux et machin, en France, bon, on a du nucléaire, ça c'est une autre discussion et tout. Mais le nucléaire est un truc qui permet de faire de l'électricité pour pratiquement rien. Donc on avait l'électricité la moins chère du monde. Et donc l'EDF, quand ils étaient encore de l'État, et donc ils n'étaient pas là pour gagner plein d'argent, le vendait à un prix raisonnable par rapport aux autres pays. Eh bien les autres pays ont porté plainte, et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'augmenter les prix à cause de la concurrence. Alors qu'en vrai, elle coûte rien. Bon, après, le nucléaire est ce qu'il est et tout, mais bon, de toute façon, nucléaire. Charbon, hydro, avec les barrages qu'ils veulent vendre au privé, donc ça va faire des catastrophes pas possibles. C'est tout pareil. Bon. Mais voilà, on avait l'énergie la moins chère du monde. Et donc ils augmentent depuis des années, ils font des trucs de fou, parce que les autres pays, les autres sociétés, pas les pays, je vous rappelle que les sociétés peuvent porter plainte contre les États. Et être payé grâce à leur putain d'accord. C'est une Et là, aberration. hein? C'est une aberration. Ben oui. Et là, il y a plein de grosses sociétés qui vont porter plainte contre tous les États du monde à cause du confinement, parce qu'ils n'ont pas pu vendre ce qu'ils voulaient. Oui, j'ai vu ça aussi. Ils ont perdu plein d'argent, les pauvres. Hein? Ils ont perdu plein d'argent, les pauvres. Ben Donc il oui. faut que l'État les dédommage. C'est une aberration. Et ils ont signé leur contrat. Mais vous, ah oui, mais non, c'est avec le Canada, c'est pas avec le Québec. Il y a un truc entre les États-Unis et le Québec, là, qu'ils ont fait. Et nous, on a fait un truc avec le Canada aussi pour la viande, qui sera plus Oui. surveillée, qui sera comme aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, ils injectent plein de choses pour qu'elles soient. Et je crois que la France, enfin, l'Europe a fait un accord avec le Canada. Pour prendre cette viande de merde. Oui. Et ça remonte à quelques mois maintenant. Il me semble.
Oui, mais ça n'a aucun intérêt pour eux, l'énergie libre. Tu es fou, toi. Pff, libre. L'humain prend des choses que la nature donne et il la vend, comme l'eau. En fait, ils ne vendent pas d'eau, ils vendent des bouteilles en plastique. Oui. Ça, c'est un truc que j'ai toujours dit aussi au Sénégal. Ils ont, enfin, il y a quelques années, ça fait 10 ans maintenant, ils commençaient à avoir des salles de sport aussi, comme en Europe, machin et tout. J'allais les voir, je leur disais, mais vous êtes stupides. Vous n'avez même pas relié vos vélos à des batteries. Alors que ça serait, vous avez 8 heures de délestage par jour, et bien il vous suffit de brancher les batteries, les gens ils payent pour venir faire du sport, et en plus ils vous redonnent de l'électricité. Bon, ça peut marcher dans tous les pays, hein, mais là-bas c'était quand même, voilà, avec 8 heures de délestage par jour, c'était quand même bien. Voilà, ils profitent même pas de ça, ça ferait de l'électricité gratuite, et en plus, je comprends pas qu'ils n'y aient pas pensé, parce que c'est gratuit, ils peuvent le revendre, et en plus les gens payent pour le faire. C'est quand même le must. Oui, c'est le top. Hein. Ah bah oui. Mais sans regarder la télé, car on ne regarde pas la télé non plus, hein, mais on peut s'informer autrement. Oui, le taffetas. Taffetas, chérie, taffetas. Ça, c'est dans Frankenstein Junior. À un moment, parce que taffetas, c'est un tissu. Et donc, il veut dire au revoir à sa fiancée, mais sa fiancée n'est pas vraiment sa fiancée, elle s'en fout et tout. Il veut l'embrasser, et puis, non, non. Comme le taffetas se froisse très facilement, donc il fait, non, non, taffetas, chérie, taffetas. Et ils se disent au revoir. Déjà, voilà. Oh, quel précurseur, Mel Brooks. Ils se disent au revoir en se touchant avec le coude. Oh là là, mais quel précurseur! Je viens de réaliser ça. Un peu comme Claude François, voile sur les filles. Oui aussi. Et bientôt, il va y avoir une tenue réglementaire sur les plages parce que le burkini c'est interdit, les seins nus c'est interdit. En vrai, c'est pas interdit, hein, c'est tout à fait légal les seins nus. Mais voilà, il va y avoir aussi une forme de maillot imposée à tout le monde. Quand on en est. Bien sûr qu'on n'a pas besoin d'eux. De toute façon, ils servent à rien. Non, c'est eux Voilà. qui ont besoin de nous. Ben oui, c'est eux qui ont besoin de nous. Et c'est pour ça qu'il suffirait de dire non. Tous, au lieu qu'il y ait des lèches-culs là qui comprennent rien, on dit tous non, ils peuvent rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? On ne peut pas nous obliger à consommer, on peut pas. Voilà, on peut nous faire chier, hein, sur plein de trucs, mais si tout le monde fait bloc, ça ira. Non, j'avais pas pensé, oui, que Mel Brooks avait déjà imaginé la distanciation physique en disant au revoir, en touchant coude à coude. Et c'est pourtant un vieux film, hein, parce que Mel Brooks, maintenant, il doit être plus que croulant. Mais il n'est pas mort. Mais il ne fait plus de films. Mais je pense pas que ça marcherait, les films de Mel Brooks, maintenant. C'était du burlesque. Enfin, quelque part, c'était du burlesque, du comique de répétition et tout. Je suis pas fan du comique de répétition. Mais le burlesque, c'est bizarre, mais Mel Brooks, c'est. Tous les ans, avant, il y avait un film de Belmondo, un film de Mel Brooks. Voilà. On avait fait son côté cinématographique, et puis. Mais de toute façon, je vois pas en quoi. Donc, il y a des plages où c'est au libre choix de la police, s'il y a des seins nus ou pas. Oui, mais il n'y a aucune loi en réalité qui interdit d'être seins nus aux femmes. Non. Donc ouais, c'est vraiment. Après, il se reporte sur la loi de, comment ça s'appelle, d'exhibitionnisme et tout. Mais dans ce cas-là, ben, il faut interdire aux mecs d'être torse nu aussi, hein. Oui, parce que le truc, c'est qu'on a tellement sexualisé le corps de la femme que du coup, oui, ben, forcément, c'est érotique, pornographique ou quoi, si elle est seins nus. Oui, Alors dans que. les pubs, il y en a plein de seins nus. Ben oui, il y en a plein. Oui, mais c'est pour vendre. Là, c'est pas pareil, on a le droit. Oui, parce qu'on vend. Faut pas tout mélanger. Mais je veux dire, voilà, oui, c'est d'avoir sexualisé tout.
comme là, sexualiser plein de conneries pour les enfants, le livre là où tout ça poil, ben, juste les gamins, ils apprennent à voir des cornues et ça me semble pas mauvais pour eux. Hein. Un cornu, c'est un cornu. De toute façon, quand on est tout nu. Oui. Et les gens qui, quand ils sont adultes, ils sexualisent tout, et ben, oh là là, mais ça leur apprend des choses et tout. Ben oui, mais enfin, il vaut mieux parce que. Sinon, après, ça fait dans le nombril et ça marche pas. Ben voilà, c'est ça. Aurions dit que je parlais d'un... parle du médecin dont tu as parlé. Je ne sais pas, j'ai parlé d'un médecin? Je ne me rappelle pas. Je n'ai pas trop écouté ce que j'ai dit, en fait, hein. Un médecin. Je ne sais pas. Et je ne vais pas réécouter le live, honnêtement. Donc, je ne supporte pas ma voix sur les lives. Donc, je suis bien contente quand je n'entends pas. Et page à suivre, soit dit en passant. Ouh là là, mais tu es flou toi aussi. Ah bon, si ça se trouve, ça fait 40 secondes et depuis on a oublié. Hein. Ben c'est très Mais possible. qui Je ne pense êtes-vous? pas qu'il y ait un Mais que faites-vous ici? Psst! vent. Le médecin sans Ah, masque. Oui. c'est pas moi qui en ai parlé, hein. C'est Bartoun. Oui, c'est moi qui en ai parlé. Je ne sais pas son nom. J'ai un Alzheimer des noms très précoce. Mais c'est qu'il nous donne des ordres en plus maintenant. Mais oui, mais moi je peux pas parce que si je cherche quelque chose sur Internet, Olga elle Comment disparaît. ça va plus? Pouf! A plus Olga! Et puis ça serait dommage. J'en profite pour faire la pétasse. Ah bah oui, tu donnes l'une de la tête. De toute façon, ils ont bien divisé tout le monde, ça les arrange bien. Oui. Hein. Par contre, ils jettent leurs masques partout. Oui. Ça, c'est. De toute façon, je ne comprends pas pourquoi ils les jettent. Je sais pas, moi, nous, on a eu plein de masques. Ben, on en a utilisé. J'en ai utilisé deux, j'avoue, parce qu'il y en a un qui a Mais oui, on a craqué. cassé un. Ben oui, il n'était pas solide. Mais bon, en gros, on en a un depuis le début. Parce Ouais. qu'on s'en sert juste pour se masquer quand ils nous font chier. Et on respire par-dessous. Et je pense même qu'on a porté tous les deux les mêmes masques. On les a intervertis sûrement plusieurs fois. On les a mis dans les deux sens. Oui, On je a... pense. Je pense qu'on est Je très pense, mais c'est pas bon sur les grave. masques. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, j'ai noté, Orion. On a parlé de Moi verrues. Non, virus, de pollution, de politique et autres. En bref, ça serait vraiment une idée de partir sur une île. Ben oui, ça serait une idée, mais toutes les îles ont été achetées par des multimilliardaires. Hein. aussi. Et puis Mais une île, là, avec le réchauffement climatique, ils sont bien contents d'avoir une île, mais elle ne va pas durer très longtemps. non. Voilà, le problème il est là. Là, il faut. Si tu veux investir sur du long terme, tu te mets au centre et tu attends que la mer monte. Debout les crabes, la mer monte, un autre film, un merveilleux film des années 70, parce que alors, dans les années 70, ils ont fait des films merveilleux quand même. Hein. Donc, avec des noms à rallonge. Je pense que c'était. Mais parce que les gens avaient plus de vocabulaire aussi, je pense. Donc, debout les crabes, la mer monte. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Voilà, il y en a plein des comme ça. Bonne nuit, Kalinéa. Bon courage pour demain jusqu'à dimanche. Donc, la semaine prochaine, tu seras
en forme parce que tu auras plus ni ta mère ni ton fils avec son portable. En même temps, toi, Karl, au Québec, tu dois quand même avoir des coins assez sympas et bien perdus au milieu de rien. Et vous n'êtes pas encore quand même au point des connards américains qui sont hyper capitalistes. C'est un peu moins le Québec. Enfin, j'espère. Si c'est plus humain. Voilà. Puis ils sont gentils. Mais qui gueule? Ah, un fripon. Oui, ils sont gentils. Bah viens. Fripon! Il a eu une vache qui rit? Oui, tout à l'heure. Ah, c'est Il bien. n'arrête pas de mordre les doigts par contre à chaque fois. Coucou, Tiens, fripon, dis fripon. bonjour à la caméra. Oh, comme il est mignon. Même Pardon, s'il est roux. gentil. Ben oui. On ne peut pas être parfait, hein. Il est en train d'écrire je ne sais pas quoi. Donc si vous voyez un commentaire bizarre émanant de moi, hein, c'est Fripon. Ah oui, fripon. Il va peut-être se coucher dans la petite boîte pour faire les photos. Ah non. C'est parce Il qu'il a envie qu'on le prenne en photo. toutes les nuits, il dort avec moi, là. Ben oui, le pauvre, il est malheureux. Mais ça va, il est cool. Oui, il n'est pas chiant. Non. Bon, ben de toute façon, il est un peu tard maintenant. Bon, on a quand même trouvé plein de choses à dire, hein, même si on se répète un peu des fois. Oui, mais il n'y a pas toujours les mêmes personnes, et puis il y a des choses qui sont à redire. Hein. Oui. De toute façon, la semaine prochaine, ça sera aussi un live en vrac, je pense, parce que je serai encore là. Parce que je ne peux pas vous faire de jolies photos et tout ça pour. J'ai même pas mon logiciel de montage. Oh là Donc, là. mais oui, c'est terrible, c'est un drame. Donc, si ça se trouve, je recyclerai encore le générique une troisième fois. Ben pourvu que ça dure, hein, que c'est à peu près cool, quoi. Mais bon, je ne suis pas certain. Comme partout. Sinon, on va tous aller au Québec. Oui, mais il y a une limite d'âge maintenant. Sinon, faut un projet professionnel. Mais sinon, faut se marier avec Karl. Tous, allez, marions-nous tous avec Karl. Non, mais rappelle-toi que Karl voulait se marier avec une Française pour avoir des papiers, déjà. Oui, et Karl, il devait venir me voir en février de l'année dernière et il n'est pas venu. Ah ben oui, mais il y a eu le virus. Non, c'était en mars le virus. Hein. Oui, mais il aurait été bloqué en France. Ah, mais ça, c'est pas mon problème. Hein. Oui, ben on te souhaite aussi une bonne nuit, on souhaite à ceux qui restent. Ma bonne nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine. À jeudi. Normalement. Allez. Et là, cette fois-ci, j'ai le générique de fin. Chouette. Allez, bonne soirée à tous. À jeudi prochain et amusez-vous bien quand même. Oui. Bye bye. Salut. Стадион, на траву выходит он, синий, бело-голубой,
слышишь песню над Невой. Наш Зенит чемпион, подбивает стадион, нужен гол.